Hello. Yes, you are live on air. Would you like to say? Go ahead. Alors bonjour, bonjour, tu parles à Christian Prince, tu es en ligne? Hello, hello. Allô, bonjour, je t'écoute. Est-ce que je parle à Christian Prince? Yes, my friend, you are live on air. Hello? What do you Oui, tu parles à Christian Prince. like to say? Yes, you are with me. Ah, mais, oui, allô? Yeah, I can barely hear you, that's why. Ah, je ne t'écoute pas bien. Oh, you hear me Hey, now? CP, how are you, man? Est-ce que tu m'écoutes bien? Ah, bonjour, Sipi, comment tu vas? I'm very fine. You are a Et je suis bien. Muslim, my friend? Tu es musulman, mon frère? Yes, I hear you. Yes. Oui, je t'écoute très bien, oui. My name is Mohammed. Yes. Mon nom, c'est Mohamed. Mohammed, how I can help you, my friend? Comment puis-je t'aider? Yeah, okay, hey, listen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Listen, CP, there is. Alhamdoulilah. Écoutez, Christian Prince. I'm calling you, son. One of my friends gave me your book. Et pour la raison pour laquelle je t'appelle, c'est puisqu'un ami m'a donné un livre que tu as écrit. And I'm actually halfway of the book. Et je suis presque au milieu de la lecture avec ce livre-là que je suis en train de lire. Saying the book that you know, I don't think you are bringing enough proof. Et il y a des choses que j'ai vues dans ce livre, je ne pense pas que tu amènes assez de preuves. For that, you know, because my believing, my understanding of Islam. Puisque d'après ce que moi je crois dans l'islam et par rapport à ce que toi tu as écrit, We're all human beings, you know. nous sommes tous des êtres humains. Les êtres humains, les juifs et les chrétiens. Et donc nous sommes tous ensemble. Nous devons donc nous considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs, d'après l'islam. It says that in the Quran. Right. Mais où est-ce écrit, ce que tu dis là, ce que tu écris là, ce que tu dis là, c'est écrit où dans le Coran? You know, and Christians and Jews are also accepted. Les Juifs et les chrétiens sont aussi acceptés dans l'islam. We should look at them like our brothers and sisters. Where it says that in the Quran? Où est-ce écrit que tu dois les considérer comme les frères et sœurs dans le Coran? C'est écrit où? Where it says that you, as a Muslim, you can look at the Christians and the Jews as a brothers. Où est-ce écrit dans le Coran que tu dois considérer les chrétiens et les juifs comme tes frères et sœurs? Dans le Coran, c'est écrit où? As I know the Quran call us as anham, which means animals. Ce que moi je sais, c'est que le Coran nous appelle, nous, les juifs et les chrétiens, que nous sommes les al-anam, les animaux. Yeah, but the Quran said fight the infidel. Isn't Mais le Coran dit combattre les infidèles. say fight the Christian. Non. Isn't say fight On n'a pas dit combattre les chrétiens et les juifs. Non, he said fight the Christian and the Jews. Chapter Non, non, exactement. Le Coran dit combattre les juifs et les chrétiens. Chapter 9, verse number 29. Chapitre 9, au verset 29. Speak specifically about killing the Christians and the Jews. Ça parle exactement de tuer les juifs et les chrétiens. Ah non, non, attendez, attendez, je vais lire mon Coran à moi. Chapter 9. Just give me Chapitre one 9. minute. Chapitre 9 au verset 29. Chapter 9, yeah? Yeah. Chapitre 9, tu dis? 29. 29. You have to kill the Christians, either they pay you money to live or they die. Tu dois tuer les chrétiens, soit ils te paient l'argent, ou bien ils survivent, Or they convert. ou bien ils meurent, ou bien ils se convertissent. Il n'y a que ça comme condition. I'm not an Arab speaker, you understand? So Écoutez, Christian Prince, moi je ne parle pas arabe. Hein? I'm reading it in French, and it, Je vais lire ça en français. French does not say that. Et en français, on n'a pas dit ça, qu'il faut que faire ce que tu dis. Well, read for me what it says in the French.
Lire, tu peux lire pour moi ce que ça dit en français. Est-ce qu'il est-il écrit que tu dois combattre les Juifs et les chrétiens dans ce verset? Non, non, non. In French, it said, fight. En français, on a dit combattre. Combattre ceux qui ne croient pas en Allah ni aux Juifs. Fight those the people who doesn't believe in God and Allah. Combattre ceux qui ne croient pas en Dieu. Allah, God. Doesn't believe in the end of time. Qui ne croit pas au dernier jour. From who? Parmi qui? Huh? From who? Yeah. Tu es combatté qui? From the people, parmi ceux qui ont reçu le livre, le propre main après s'être humilié. Yeah, par some people who own the book, but it's not speaking. Ah, certains gens, parmi les gens qui détiennent le bouc, mais on n'a pas bien spécifié. Yeah, but some people who own the book, but it's not specific. It's not saying Christian. Donc, ce n'est pas spécifié. On n'a pas dit les chrétiens. No, mais je ne sais pas comment est-ce que toi tu changes, tu tords les choses. Non, attendez, nous n'haïssons pas les chrétiens, nous ne les haïssons pas. J'ai beaucoup d'amis chrétiens. Mais tout enfant musulman sait très bien. Chaque enfant musulman sait très bien, lorsqu'on dit les gens qui ont le livre, les gens du livre, cela veut dire les juifs et les chrétiens. Don't you agree? Est-ce que tu n'es pas d'accord? People of the book is the Christian and the Jews only. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens seulement. Yes or no? Est-ce que tu es d'accord? Yeah, but not in this context. Oui, mais pas dans ce contexte. No, it says here clearly, fight those who don't believe in Allah. Mais ici, c'est écrit, combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Christians and the Jews, the people. Parmi les juifs et les chrétiens, vous devez les tuer jusqu'à ce qu'ils vont payer la jizya, ou bien qu'ils se convertissent. C'est simple. Nous pouvons même ouvrir le tafsir, l'interprétation de ce verset, si tu veux. Et c'est même écrit que le prophète Muhammad a ordonné qu'on puisse humilier, maltraiter les chrétiens. Spit in their face when you see them in the street. Et cracher sur leur visage lorsque vous les voyez sur la route. Force them to walk in the sewage. Et les forcer à marcher dans des tranchées, dans de la boue. I can show you the reference right now. You can go to any cathedral right now if you don't believe me. Je peux te montrer les références si tu ne me crois pas. Je peux ouvrir le tafsir de Ibn Kathir tout de suite. If you have any cathedral in English, in French, I don't know if you have such a book in French. Je ne sais pas si tu as Ibn Kathir en français. Je ne sais pas si vous avez un tel livre en français d'Ibn Kathir. Show me from here. Non, tu peux même me montrer en anglais. Je vais lire. No problem. Okay, we go to Ibn Kathir. Here we go. Let us do that. Ok, c'est bon. Nous irons chez Ibn Kathir. On va voir ça. Je vais te montrer. This is Ibn Kathir. This is chapter 9. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir au chapitre 9. And this is verse number 29. Verset 29. It says, on peut descendre. And we can read together. Et on peut lire ensemble. وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ النَّجِسُ the kuffar, and we are kuffar, we are filthy dirty. Il dit, les infidèles, les kuffars, sont des gens qui sont impurs. Ce sont des gens impurs. On va vous projeter ça. Parmi les gens qui veulent débattre avec nous, ils peuvent toujours nous contacter. Là, nous sommes dans Sourate 9 au verset 29. Fight the Christians and the Jews and they pay the jizya and they feel themselves subdued. The ayah means they will be combattre ceux qui ne croient pas jusqu'à ce qu'ils se sentent humiliés. On va agrandir ça pour que les gens puissent voir la bonne visibilité. Sourate 9 au verset 29, il y a beaucoup de tafsirs. Il y a beaucoup de tafsirs. Combattre ceux qui ne croient pas en Allah au jour dernier. Combattre les gens du livre.
On va là où Christian Prince est en train de lire le tafsir de Ibn Kathir. Il dit, les gens des Écritures qui ont mécru à Muhammad, il faut les combattre. On continue avec Christian Prince. You will be their compensation for the closed market, blah, 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 blah. So Muhammad, because he told them to close the market from the pagans. Puisque Muhammad, dans le verset qui vient après, avant ça, il les avait dit de ne pas faire le marché, de ne pas travailler dans le marché, alors ils auront la compensation de leurs biens en attaquant les chrétiens. So he said to him, go and kill the Christians, steal their money, the interpretation in front of you. And then he said, Alors il les a dit d'aller attaquer les chrétiens pour qu'ils puissent trouver de l'argent. C'est ce qu'il a dit dans ce verset. Il dit, c'est ce qu'il dit dans le tafsir de Ibn Kathir. Si vous lisez le tafsir de Ibn Kathir, il parle de ça. Jusqu'à ce qu'ils paient la jizya avec une soumission volontaire et se sentent soumis. Ils doivent se sentir soumis. So how do you want so many Christians in the Middle East? Ah, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le Moyen-Orient. There are a lot of Christians in the We Middle pay East. jizya, we pay jizya. Oui, mais puisque les musulmans nous ont fait payer la jizya, nous payons la jizya. Get to live. We pay jizya, my friend. Here we go, the person in front of you. Hein, ils nous font payer la jizya. Ils nous font payer le verset là devant toi. Ils nous font payer l'argent pour vivre dans le Moyen-Orient. We pay jizya. Pay every month so you'll not die. That's why we stay as a Christian. On paye chaque mois pour que nous ne puissions pas mourir. C'est pour cela que nous sommes restés des chrétiens. Ils nous ont fait payer. Ils nous font payer ça. Muhammad is a thief. He like money only. Mohamed était un voleur. Il aimait beaucoup l'argent seulement. Pay him, you live. You don't pay him, you die. Or you Tu dois le payer pour vivre. Si tu ne le payes pas, il te tue. On te tue. convert. This is why many they converted. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam pour ne pas payer. Many they converted. The one who cannot afford it, he could not handle it. He converted just to Ceux qui ne pouvaient pas payer n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas d'autre choix que se convertir à l'islam get rid of this. pour se débarrasser de ça. So the Quran not only order you to make me pay jizya or die. Le Coran, non seulement te dit de me faire payer la jizya, ou bien je meurs. Even you have to be humiliated, read carefully. Et il dit aussi que tu dois aussi m'humilier. Là, on parle des juifs et des chrétiens, d'après Ibn Kathir. Il dit que non seulement tu dois me faire payer ça, mais tu dois aussi m'humilier. Hein, payer la jizya est un signe de mécréance et de disgrâce. Vous voyez, les disgraciés, ne pas les respecter. On continue avec Christian Prince. It says here, this is why the prophet, until they pay the jizya, for they do not choose to embrace Islam. Il dit que jusqu'à ce qu'ils doivent payer la jizya, jusqu'à ce qu'ils doivent accepter l'islam, soumission volontaire, dans la défaite et la soumission, il faut les déshonorer les chrétiens, les humilier et les rabaisser. C'est ce que Ibn Kathir est en train d'écrire. And yet in Wahum Sagarun with willing and submission and Avec une soumission totale. On doit se soumettre. Une soumission. defeat. And then he says Dans la défaite. and feel themselves subdued. Jusqu'à ce que nous nous sentons déshonorés, humiliés. Disgraced, humiliated. Humiliés et rabaissés. Therefore, the Muslims are not allowed to honor the people of the Dhimma. Par conséquent, les musulmans ne sont pas autorisés à respecter, à honorer les gens de Dima, les infidèles. Les musulmans ne doivent pas nous honorer. Or elevate them. Ou bien nous élever au-dessus des musulmans. Ils ne doivent pas faire ça. Même voter un politicien chrétien, les musulmans ne peuvent pas faire ça. Ou bien voter quelqu'un. Même un chef de rue, un chef de quartier ne doivent pas faire ça. Above the Muslims, for they are miserable, disgraced, humiliated. Do you see it? Car les chrétiens sont misérables, déshonorés et humiliés. Est-ce que tu vois ça?
And this is why the Prophet, recorded by Abu Huraira, he said that when don't initiate the salam to the Christian and the Jews. If you... C'est pour cela que c'était enregistré par Abu Huraira. Il a dit que Muhammad, le prophète, a dit, il dit que il faut pas saluer les chrétiens. Il dit que si vous rencontrez les juifs et les chrétiens sur la route, si vous rencontrez, il faut pas les saluer. Il faut les forcer à marcher de l'autre côté de la route. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Vous devez les forcer à marcher de l'autre côté de la route. The Christians been ordered, Muslims ordered, when they see a Christian in the road, they have to force him to walk in the sewage. Donc les musulmans, ils sont instruits, lorsqu'ils voient un chrétien, ils doivent le pousser de l'autre côté de la route. Il doit marcher là, très loin. And it's your prophet saying that. Et ça, c'est ton prophète qui a dit ça. Yeah, man. Man, I don't know, man. Ah, je ne sais pas que dire, hein. This is disgusting, isn't it? I mean, c'est dégoûtant, ça, n'est-ce pas? I see you, imagine if I see you now in the street, because just you are a Muslim, I force you to walk in the sewage, I spit in your face, I insult, humiliate you for... Imagine-toi, si je marche, je te vois, toi, puisque tu es musulman, je te vois sur la route, je t'insulte, je te crache au visage, et puis je te bouscule de l'autre côté, puisque tu es musulman. Est-ce bon, ça? What? Just because you are a Muslim. You did not do anything to me. Bien que tu ne m'as rien fait de mal, je dois te maltraiter comme ça. Est-ce bon? Is that fair, my friend, Muhammad? Est-ce juste de faire ça, mon ami Mohamed? Non. What kind of religion is religion? So this ça, c'est quel genre de religion, ça? Non, tu sais très bien que la plupart des musulmans entre nous, on ne fait pas ça. Non, vous faites ça. Because in France, you are not the one in control. Puisque toi, tu es en France, et ce n'est pas toi qui contrôle. Ce n'est pas toi qui es au pouvoir. But if you go, not long time ago, before the Christian became powerful, and they are the... Mais il n'y a pas longtemps avant que les chrétiens ne fussent très forts, lorsqu'ils étaient très forts, avant qu'ils n'aient le pouvoir. When everybody trying to copy their lifestyle, civilization, etc. Tout le monde voulait copier leur manière de vivre, tout ça. Mais il n'y a pas longtemps en Syrie, les musulmans ont fait ça. Ils ont pratiqué l'islam sur nous. En Syrie, en Irak. Jusqu'à présent, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, si tu vas là prêcher l'évangile, ils vont te tuer. So what are you talking about? You live in France. You're... Alors tu parles de quoi? Puisque toi tu vis en France. You're not the one, you know. You are not the one in charge. Tu vis en France et ce n'est pas toi qui es au pouvoir. If Islam ruling France, real Islam, not you. Si le vrai Islam avait le pouvoir en France, pas toi. Then France will be different. Anyone speak against Muhammad will be killed immediately. Alors tout le monde qui parle contre Muhammad, on va le tuer immédiatement si le musulman avait le pouvoir en France. Okay. Everybody have to pay jizya. This is Islam. Tout le monde doit payer la jizya. C'est ça l'islam. This is the order of the Quran. Et ça, c'est l'ordre du Coran. This is not a hadith. This is not a statement of me. Ça, ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas la déclaration de quelqu'un. This is Allah's statement. And this... Ce ne sont pas les déclarations de toi ou bien de moi. Ça, c'est Allah lui-même qui parle. His prophet explains it. Et ton prophète explique ça. Yeah, listen, I hear what you're saying, Hassan. Oui, je comprends ce que tu dis. Listen, like I said, I'm reading your book halfway, you know. Bon, comme je disais, j'étais en train de lire ton livre. Hein, je n'ai pas encore terminé. Je suis au milieu. Beaucoup de choses que tu as écrites là-dedans, je n'ai jamais entendu parler de ça. I'm still reading, you know, so like the name of the prophet Muhammad was Qatim. Je suis en train de lire là. Tu as dit que le prophète Mohammed, son nom c'était Qatim, c'était ça son nom? Yeah, I never hear something like this. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Yeah, Muhammad is not a name, because even the Quran. Oui, Mohammed n'est pas son nom, même le Coran. No, even the Quran, my friend. Muhammad was
was one of the most kind person, you know. Et oui, puisqu'on nous dit que Muhammad était un homme très gentil, un homme respectable, respectueux. That's a lie. That's a lie. Non, ça, c'est du mensonge qu'on vous a dit. That's a lie. How he can be kind? How he... Non, c'est du mensonge. Comment est-ce que tu peux être gentil, un homme honnête? Il avait déchiré une femme, il avait écartelé une femme lorsqu'elle était encore vivante, cette femme-là. Son nom, c'était Kirfa. Il y a des livres qui sont écrits par des musulmans eux-mêmes. By Muslim, not by me. Non, pas écrit par moi. Concernant les invasions de musulmans, les invasions de Muhammad, il faut voir comment est-ce qu'il a torturé les gens. Comment est-ce qu'il mettait des clous dans les yeux des gens. Comment est-ce qu'il coupait leurs doigts, comment est-ce qu'il coupait leurs mains, juste pour le plaisir de le faire. De torturer. Même le Coran parle de ça. That. What are you talking about? Muhammad is a nice person. Tu parles de quoi? Même le Coran, tu appelles Dieu Muhammad, c'était un homme bien. Is it nice to cut the fingers of your enemy? Est-ce bon de couper les doigts de ton ennemi? Is it nice to split the woman two pieces when she is over the age of 80 just because she refused Muhammad? Est-ce bon d'écarteler, de couper une femme en deux morceaux, une femme qui est plus âgée de plus de 80 ans, puisqu'elle n'est pas d'accord avec toi, Muhammad? Is it nice? Okay, somebody, let us say for the sake of argument, somebody who commit a crime. Parlons, même si quelqu'un a commis un crime, est-ce bon de le traiter, de le torturer comme ça? Commit a crime, is a criminal. Is it nice to put nails in his eyes, cut his... Même un criminel, est-il bon de mettre des clous dans ses yeux et couper ses mains, ses doigts? Hands, his feet, put him in the cross, let him die slowly. Le mettre sur la croix et le laisser de mourir lentement, est-ce bon de faire ça? This is a nice Muhammad. Et c'est celui que tu appelles un homme bon, Muhammad? Non. Okay. Non. This is Quran. Mais ça, c'est le Coran qui dit ça. This is Quran, so Muhammad is nice, but the Quran is not nice. That's not the... Ça, c'est le Coran. Donc, tu veux dire que Muhammad est bon, mais le Coran n'est pas bon? Makes sense. Ça n'a pas de sens. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Chapter 5, verse number 33. You read it. Chapitre 5, au verset 33. Tu peux lire de toi-même. The punishment for those who wage war against Allah. What kind of war right now? According to Islam, I'm waging war. La punition. La punition de ceux qui combattent, de ceux qui font la guerre. Comment est-ce qu'on doit les traiter? La guerre, c'est quoi? Comme ce que moi je suis en train de faire maintenant, ce que je suis en train d'enseigner, c'est déjà la guerre pour les musulmans, pour Allah. According to the Quran, it's a chapter 5, verse number 33, to cut my hands, to cut my feet. Donc, d'après le chapitre 5, verset 33, on doit couper mes mains et couper mes pieds. To crucify me in the cross. Et me crucifier sur la croix. Do you see it? This is the nice Muhammad. Where is the nice Muhammad? Est-ce que tu vois ça? Et c'est ce que tu appelles Muhammad, c'était un homme bon. Chapitre 5, verset 33. Jesus, he said, pray for them. Pray for you. Jésus a dit, priez. Priez pour ceux qui... Your enemy. Love your enemy. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Pray for them. Pray those who curse you. Priez pour ceux qui vous maudissent. Muhammad, he says, those who wage war against Allah. How you wage war? But... Muhammad a dit, ceux qui combattent Allah, ceux qui font la guerre, comment est-ce que tu fais la guerre contre Allah? C'est refuser l'islam. Il dit que vous devez couper leurs mains et couper leurs pieds. C'est ça. C'est ça la punition qu'ils doivent nous donner d'après l'islam. Est-ce bon ça? C'est ça un homme bon, Muhammad? Yeah, because... Mais Christian Prince, n'oublie pas, dans la Sunna, on a dit que tout le monde est né musulman dans la Sunna. Later that you change, your parents change. So I don't know how to explain this. My friend, this is a very stupid statement with my respect to you. I know you are just telling me. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, mon frère, ce qu'on t'a dit, c'est une déclaration très stupide avec tout le respect que je te dois. Je sais que ce n'est pas toi qui dis ça. Bon, tu répètes ce qu'on dit dans l'islam.
what the Quran said, what Muhammad said. If everyone is born as a Muslim, and then he said that then his parents, they change him. This was the hadith, right? Bon, si tu dis que tout le monde est né comme musulman et alors ses parents ont changé, bon, ça c'est un hadith, c'est ce qu'on a dit. So how somebody convert to Islam later? This means Muhammad is a fraud again. Non, mais comment ça veut dire que si quelqu'un se convertit encore à l'islam? Ça veut dire que Muhammad est un fraudeur encore. Because there's people who converted to Islam and their parents did not make them convert. Donc il y a des gens qui sont convertis à l'islam alors que leurs parents ne les ont pas fait convertir. On va lire d'abord sur Surat 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et qui s'efforcent d'estimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, crucifiés, ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. On continue avec Christian Prince. The parents convert you according to him. So this is a very silly statement. Second. Alors si on dit que ce sont les parents qui ont détourné cet enfant-là de l'islam, ça c'est une déclaration stupide. You are born as a Muslim. What does that mean? Okay, so those who live in the jungle and Deuxièmement, donc si tu dis que tu es né comme musulman, donc ce qui veut dire ceux qui vivent dans la jungle au Brésil là, qui sont nus. Brazil, they are Muslims now. They did not change anything. Ils sont musulmans maintenant. Ils n'ont rien changé. They are naked in the jungle. They are born Muslims. Ils sont nus dans la brousse, dans la jungle. Tu veux dire qu'ils sont nés musulmans? Ça c'est une déclaration fortuite. This is stupid. C'est stupide. Even if you ask the Muslim what Muslim means, he don't even know what Muslim means. Même si tu demandes au musulman qu'est-ce que veut dire le mot musulman, qu'est-ce que ça veut dire? What Muslim? Ils ne connaissent pas. Here we go. You are a Muslim. Do you know even what Muslim means? Submission to Allah. False. Musulman veut dire soumission à Allah. C'est faux. That's false, my friend. Soumission à Subhanahu wa Ta'ala. Non, c'est faux, c'est pas vrai. That's false. Ça, c'est faux. That's faux. That's false. The word Muslim is to surrender. It's an army statement. Le mot musulman veut dire se rendre. C'est un terme comme ce qu'on utilise dans l'armée, dans le jargon militaire. Une armée qui se rend à une autre. Se rendre, c'est ce que veut dire musulman. Surrendering. Secondly, when you say surrender to Allah, you don't even know who's Allah. Deuxièmement, lorsque vous dites se rendre, se soumettre à Allah, tu ne connais même pas qui est Allah. How you can surrender to a person you don't know him? Who is Allah? Comment est-ce que tu vas te rendre à quelqu'un que tu ne connais pas? Qui est Allah? Allah is the greatest. Allah, you know. Allah, c'est le plus grand. Listen. Écoutez. Listen. No, I'm listening. Non, ne me dis pas d'écouter. Dis-moi ce que ça veut dire. Qui est Allah, mon ami Mohamed? Mohamed. No, you say, see, you said to me is God. Okay, who's Allah? I'm not asking. Tu dis que Allah est Dieu, mais dis-moi qui est-il? What he do for living? I'm asking. Je ne te demande pas quel travail il fait pour vivre. Who's Allah? I don't know. Dis-moi qui est Allah. God, Muhammad. Okay, who is... qui, bon, tu dis que Allah est Dieu. Qui a dit que Allah est Dieu? C'est Muhammad qui a dit ça. Allah, you don't know. Mais toi, tu ne connais pas qui est Allah? Did Muhammad speak to Allah? No. Est-ce que Muhammad a déjà parlé à Allah? Did Muhammad speak to Allah? Est-ce que Muhammad a jamais parlé à Allah une fois? Did Muhammad did what? Did Muhammad... Muhammad a fait quoi? Never spoke to Allah. Est-ce que Muhammad a déjà parlé à Allah? Yes, you know, oui, il a parlé à Allah. He went to Allah. No, he did not. Non, lorsqu'il est parti au ciel dans le Mijra, lorsqu'il est parti au ciel, il a parlé à Allah. Speak to him. Non, il n'a pas parlé à Allah. Well, he didn't speak to him. Okay, show me. And not only that. Tu peux me montrer là où il a parlé à Allah? Never even heard his voice. Non seulement ça, il n'a jamais entendu la voix d'Allah. Il n'a jamais vu Allah, il n'a jamais entendu sa voix. Il ne connaît même pas qui est Allah. Je vais te poser une question pour te montrer que l'islam, c'est juste une blague. Je ne veux pas t'insulter, mais je veux juste avoir une conversation avec toi. Si je te pose la question maintenant, est-ce que Allah est-il un esprit? If Allah is a spirit, yes. Si Allah est un esprit, non, le Coran ne dit pas que Allah est un esprit. Non, le Coran ne dit pas que Allah est un esprit.
Okay, so who's Allah? Okay, let us go back to zero, guys. On rentre à zéro. Maintenant, qui est Allah? If Allah is not a spirit, okay, do Allah have a hand? Si Allah n'est pas un esprit, est-ce que Allah a-t-il des mains? Physical things have hands, Christian. Les choses physiques ont des mains. Il a des mains. I just asked you, is Allah is a spirit? You said to me, no. So he's... Mais je viens de te demander si Allah est un esprit. Tu as dit que non. Physical. Allah have a hand. Allah have a foot. Mais physiquement, Allah a des mains. Il a une main. Il a un pied. Allah have a head. Allah a une tête. So he's physical. Donc Allah est physique. Just I asked you, is Allah is a spirit? You said no. Je t'ai posé la question si Allah est un esprit. Tu as dit non. So he is physical. He is not a spirit. Donc il est physique. Il n'est pas un esprit. Spirit don't have physique. Les esprits n'ont pas de physique. Isn't it you who said to me, no? C'est toi qui m'as dit que non. Mais tu sais que le Coran, la Sunna ne disent pas que Allah a un corps. Oh no, you are wrong. No, no. Non, non, tu t'es trompé, tu ne sais pas. No, no, my friend. Here we go. Okay, here we go. Okay, now my friend, you see? Non, non, attention, mon frère. Bon, je vais te montrer quelque chose. On y va. Je vais te présenter quelque chose pour que tu puisses voir avec moi. On y va. With my respect to you, you sound like a nice person. Avec tout le respect que je te dois, tu sembles être un homme gentil. I welcome you to, you know, to call me anytime. Je veux que tu puisses m'appeler tout le temps. But you do not know your book. Mais tu ne connais pas ton livre. Merci. Le Coran dit très bien, non seulement que Allah a les mains et les pieds, hands, like, mais il a deux mains. As an example, chapter 2, verse number 27, verse number 63, chapitre 2, 63, it says, verset 63, have two hands. Il dit que Allah a deux mains. You know, and if you go right now, just give me a minute. Is it chapter 2? Yeah. Non, attends. Tu as dit que chapitre 2? Al-Baqarah. There's many verses. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. But let us go. No, we'll go to verse number. Let us see. On peut partir au verset chapitre. We go to verse. On peut partir au chapitre 27:63. And you can change the, you know, I mean, you have, I don't know how many translations you have. Je ne sais pas combien. You see every Muslim. I'm reading it in French. Look. I have both of them in English, but I found something that is kind of disturbing. Je trouve quelque chose d'étrange lorsque je lis le Coran. Most of the translation in French and in English, sometimes they don't correlate. Beaucoup de traductions en français et en anglais ne sont pas les mêmes. Donc ça ne s'imbrique pas. Ça ne correspond pas. La translation du Coran en français et la translation en anglais, ça ne correspond pas. Yeah. Well, it's a false translation. Oui, mais ce sont des fausses translations. Let me give you an example. Je vais te donner un exemple. Un exemple. If we go right now to chapter 49. Tu peux partir par exemple au chapitre 49 pour voir ça. Voir la corruption qu'ils ont fait dans le Coran. Verse number 1. Can you tell me what the translation there says in the French? Chapter 49, verse number 1. Au chapitre 49, au verset 1. Tu peux me dire ce que dit ton Coran en français? Qu'est-ce que ça dit? Coran chapitre 49 au verset 1. Qu'est-ce que ça dit en français là dans ton Coran? C'est écrit quoi? 49, yeah. 49? Quel verset?
Au verset 1. Pour vous qui me priez, ne demandez pas à Allah et à son messager. Ne défensez pas Allah et son messager. Déclarez Allah. Il dit, you who believe. Yeah. Vous qui croyez. Don't take side against Allah and his messenger. Ne vous avancez pas en présence d'Allah et son messager. C'est ce qu'on dit dans l'un des versets du Coran, des translations. Il y a plusieurs translations. Does it say? It doesn't make sense. Hold on. Okay. Attends, ce verset n'a pas de sens. Hein? Comme ça, ça dit, vous, oh, vous qui croyez, ne vous présentez pas devant Allah et son messager. Attendez. So it says nothing about the two hands of Allah. Donc, dans ce verset, on n'a pas parlé les deux mains, les mains de Allah, dans ton Coran en français? The translation? No. Okay. Non, on n'a pas parlé des mains. Okay. Well, here, let us see. All. Let me show you. I'm going to choose translation. I will choose all the Muslim translation for this. Ok. Je vais te montrer. J'ai choisi. Il y a beaucoup de translations du Coran des musulmans. Tu vas voir. Same verse. Here we go. This is a Muslim website. You know? And you will see the hilarious translation. Concernant le même verset, tu verras combien est-ce que c'est comique ce que les musulmans font, comment est-ce qu'ils interprètent le Coran. Hein? Et on a beaucoup de translations. Which is absolutely a lie, all over the place. Each one of them, he gives us different translations. Chacun d'entre eux, ces musulmans, chacun donne sa propre translation comme il le veut. And for the same verse. Pour le même verset. And you will not find few of them. They say the word that Allah, he have two hands. Et tu verras qu'il y a que peu qui parlent dans ce verset que Allah a deux mains. Let us see. On va This voir. Is the I'm showing the screen. Look how many. Je vais te montrer. Tu vois combien de translations qu'ils ont dans le Coran? All right. This is the translation. Ce sont des translations du Coran. Where is the word the hands of Allah? Où sont les mots les mains de Allah? Read, this is here. Dr. Ghali says, literally. Et alors, et on a trouvé celui-ci, Dr. Ghali qui est là en bas, qui dit between the two hands, les deux mains de Allah. Between the two hands of Allah, do you see it in the screen? Est-ce que tu vois ça? Dans l'écran, il a dit littéralement entre les deux mains de Allah, mais les autres n'ont pas écrit ça. Or, en arabe, ça existe. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? YouTube, please. Tu peux fermer le son de YouTube puisqu'il y a deux sons, double son. Yeah. Okay. Oui. How come this translation is a Muslim, Dr. Muhammad Ghali? Why? Mais comment ce musulman ici, cette translation, il dit entre les deux mains de Allah? He is saying literally between the two hands of Allah. Littéralement. The rest of the translation, they did not put the hands of Allah. What happened? Les autres qui ont fait la traduction du Coran, ils n'ont pas mis entre les deux mains de Allah. Les mains de Allah, ils n'ont pas mis ça. Where is the word of hands of Allah is gone? Où est parti les deux mains de Allah dans vos Corans de translation de sourate 49 au verset 1? C'est parti où? Vous voyez comment est-ce qu'ils mentent? It's gone. C'est parti. J'ai choisi toutes les translations sur la page. Only one, Dr. Ghali, is... Il n'y a qu'un seul docteur Ghali qui parle de Bana Yahadai, le main de Allah. Il dit entre les deux mains de Allah, et lui au moins essaie de dire la vérité. Wow. Okay, so actually. On n'a pas encore terminé. Si tu pars même dans les hadiths, attendez, je vais bien vous projeter ce verset-là. Il y a quelques translations du Coran qui parlent de ça. Ça, c'est sourate 49 au verset 1. La version arabe est là. On parle des mains de Allah. Les mains de Allah, mais hein, ben, Yadai Ilai, le mot, ils sont là, les mains de Allah, mais ils n'ont pas mis ça. Mais il y a d'autres, on peut chercher rapidement si quelqu'un peut-être a bien interprété ça. Celui-ci dit
vous qui avez cru, ne dévancez pas entre les mains de Allah. Celui-ci a quand même mis entre les mains de Allah. Vous allez voir, on peut retourner un tout petit peu. Il dit ceci. N'avancez pas entre les mains de Dieu et son messager. On peut partir avec Christian Prince. Allah have foot, not only he have hands. Allah a un pied. And Allah have five fingers. Actually, there's videos, you can search them right now about Allah have a hand. Il y a des vidéos. The scholar explain to you, yes, Allah have a foot. Là où, Allah have a fingers. Allah have a hand. Là où les musulmans. So and I ask you, is Allah is a spirit? You said. Là où les musulmans, ils ont beaucoup expliqué. Je t'ai posé aussi la question. No, so is Allah is a physical being. Tu as dit que Allah n'était pas un esprit, donc Allah était un être physique. So you believe in a God you don't know who he is. All what you know, he have hands and fingers. Donc tu crois dans un Dieu que tu ne connais pas, tout ce que tu sais qu'il a des doigts et des mains, tout ça. Does the hadith say that Allah is not a spirit? You know that too. Yeah. Ah, tu sais que Allah n'est pas un esprit. Toi aussi, tu sais ça. Exactly, exactly. Exactement. This is an additional proof that Allah can't be God. C'est la preuve qu'Allah ne peut pas être Dieu. Because in order to be, for you to be God, you have the ability to be a spirit, because the spirit gives. Puisque pour toi, pour être Dieu, tu dois être capable d'être un esprit, puisque l'esprit te donne la capacité. The power of being invisible. Le pouvoir d'être invisible. Everywhere. Partout. But being just a physical being, that means you have to contain. Maintenant, être un être physique, tu es limité, tu dois être contenu. Yourself inside the physical space, you see. Tu dois te contenir dans un milieu physique. God, he came to the earth as Jesus, as the flesh. Nous ne croyons que Jésus est venu sur la terre. Le Dieu est venu sur la terre comme Jésus, dans la chair. This is God in the flesh. Ça, c'est Dieu dans la chair. But God is not the flesh. Mais Dieu n'est pas la chair. So, God, he took a flesh and appeared to us as a man. Donc Dieu a pris la chair et est paru envers nous comme un homme. Your God is in the flesh. Maintenant, votre Dieu est dans la chair. This is how he is. Look, c'est comme ça qu'il est. Look at this hadith here. Tu peux voir cet hadith ici. Allah, he put his foot in the fire and then the fire, the hellfire, he says, qat, qat. Ça, c'est le hadith d'Anas bin Malik. Il dit que Allah, le prophète a dit que Allah va mettre son pied dans l'enfer et le feu va dire 4-4. Assez, assez, c'est fini, c'est assez. Read with me the hadith. And this is Sahih Bukhari, very authentic. Tu peux lire avec moi le hadith. Et ça, c'est Sahih Bukhari, vraiment authentique. Authentic. The prophet said, le prophète a dit, the hellfire will keep saying, l'enfer, le feu de l'enfer va continuer à parler. On saying, are there any more, which means people to come? Y a-t-il encore d'autres gens qui vont venir? Tell the Lord of power and of honor, he will put his foot over it. And jusqu'à ce que le Seigneur, le puissant Seigneur et l'honorable va mettre son pied au-dessus de l'enfer. Then it will say, qat qati. Alors l'enfer va dire qat qati. Which means enough, enough. Cela veut dire, ça suffit, assez, assez. Allah, he put his foot. What is that? Allah va mettre son pied dans l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah, see, All Muslim scholars agree. All Muslim scholars agree. Tous les savants musulmans sont d'accord. That this is the foot of Allah. It's a physical foot. Que five fingers here. Yeah, but see, in Islam, we say it, you know, if many of the sheikh agree upon something, then is it truth? Dans l'islam, on connaît que lorsque beaucoup de sheikhs s'accordent sur quelque chose, alors c'est la vérité, d'après ce qu'on nous dit. Here, it's only one person who agreed to it. No, my friend, this is the standard. Mais ici, c'est juste un seul homme qui a dit ça. Juste un seul homme, c'est pas tout le monde. Non, seulement ça. Islamic sect, and the Islamic sect is the majority. And your prophet, he says, لا يجتمع قومي على باطل. My people will not agree, the majority of them, in something wrong. Alors, le même votre prophète a dit que son peuple va s'accorder à ce qui est la majorité. On va vous mettre cet hadith
en français que Christian Prince était en train de lire, l'a dit, c'est en français, ça c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous débattre. Nous sommes là en direct ou bien en différé. Il dit, ça c'est Saïd Bouhari, numéro 66, 61. Anas Ben Malik qui a rapporté, le prophète a dit, le feu de l'enfer continue à dire, y a-t-il plus de gens à venir jusqu'à ce que le Seigneur du pouvoir et de l'honneur pose son pied dessus et alors il dira, ça suffit, suffisant, c'est suffisant, ça suffit, ça suffit. On continue avec les majestueux Christian By Prince. the majority agree, it must be right. And the Mohamed a dit que lorsque la majorité des musulmans s'accordent, tout le monde va s'y atteler. majority of Muslims agree in this. Et la majorité des musulmans sont d'accord avec ça. If you don't believe me right now, I can go to YouTube. I can go right now to YouTube. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je peux même partir sur YouTube te montrer des I vidéos. can search for videos. Allah have hands. I will Je not vais be. te montrer même des vidéos. Que Allah a des mains, mais je ne peux pas jouer ces vidéos-là puisqu'on va me reporter. For you because they will complain for copyright, but you Ils vont se plaindre à propos de copyright, can do it yourself. Do mais tu peux chercher de toi-même. Allah have hands? Yes, Allah have hands. Est-ce que Allah a des mains? Oui, Allah a des mains. Allah has a foot. Allah a un pied? No. The Sheikh is teaching you and he's explaining to you Il y a des cheikhs qui ont même expliqué ça. that Allah have a foot. Here we go. Look, Que Allah a un pied. all those videos, look how many. Those are Muslims, those are not Christians. Donc tu vois toutes ces vidéos-là qui sont sur YouTube, ce sont des musulmans qui expliquent, ce ne sont pas les chrétiens. Does Allah have a hands? The answer is yes. Does Allah Est-ce qu'Allah a une main, a des mains? Oui, la réponse est oui. how Allah look like? Allah have a hand, Allah have a foot. Comment l'apparence d'Allah, il a des mains, il a des pieds, tout ça. Here, this guy, Allah has a leg, the leg of Allah, read it. Celui-là a même parlé de que Allah a un pied, le pied d'Allah. I mean, this guy is explaining to you how Allah has a leg. Celui-là vous explique comment est-ce que Allah a un pied. And not only that, in the video, he says, and then Allah, he will show his magnificent, beautiful, magnificent shin. Et il explique même que dans ce verset-là, sourate 68, 42, Allah va montrer même son pied qui est magnifique. Son sakin, il va montrer son pied. Yeah, but how do you explain Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad? Est-ce que tu peux expliquer la sourate 112 à l'Ikhlas? Allah. How do you explain that? Okay. Comment est-ce que tu expliques ça? That's a stupid statement actually because you just said Ça, c'est une déclaration stupide, puisque tu viens de dire. Kul Allahu ahad, Allah, the word ahad in Arabic, Allah ahad, that means Allah is one of. Lorsque tu dis Allah ahad, Ahad, Ahad veut dire l'un d'eux, un parmi les autres. Non, ça veut dire un. Non, ça ne veut pas dire un. Non, ça c'est un mauvais arabe. Ça, ce n'est pas le. On ne dit pas que ça en arabe. It's coming stupidly, wrong in the Quran. Non, c'est les gens qui interprètent ça d'une manière stupide dans les Corans. If I type, do you see my screen right now? I will put the word ahad for you. Tu vois mon écran? Je vais écrire le mot ahad. Tu vas voir pour moi. In the screen. Dans yeah, you will see. l'écran, tu vas voir. Okay, you will see how many times it appears in the Quran. Look, I just search for the word ahad. Je viens de chercher le mot ahad. Tu vas voir combien de fois ça apparaît dans le Coran. This is the word ahad highlighted in the text. Look, this is ahad. Là, c'est le mot ahad. This is ahad. Un autre. This is ahad. Un autre ahad. Huh? Okay, what I will choose any verse you choose. I will choose, let us choose something short. So On peut choisir quelque chose, n'importe quel verset. Bon, on va choisir quelque chose de court pour voir. We don't go confuse. والذين Pour ne pas confondre. آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم. Okay. What ahad is one of. Le mot ahad veut dire un, deux, un parmi les autres. Not distinguish between any of them. One of. Il dit l'un d'eux. Tu peux choisir n'importe quel verset. Ahad does not mean one. Secondly, ça c'est au verset 152. Tu peux dire et puis deuxièmement. If your God is one or two, who care? I mean, this is funny, my friend. Si ton Dieu, il est un ou bien deux, peu importe, ça c'est drôle ça. I mean, you see, let us say I'm talking to someone who is a Hindu, and he.
Parlons par exemple, si je parle à un homme qui est hindou, il me dit qu'il croit dans 1000 dieux. All right. 1000 million. Okay. Maybe il croit dans des millions de dieux. Okay. But if he can prove to me that his gods are millions, he's right then. S'il est capable de me prouver que son dieu, il est des centaines, des milliers de dieux, s'il peut me prouver ça. Number is not important. Ah, c'est bon, le nombre de, peu importe pour moi, si son dieu est par millions, c'est normal, s'il peut me prouver ça. The question is, you believe in Allah as one or two or three, who care? La question est que si tu crois en Allah qui est un, deux ou trois, ça nous importe de peu. But Allah is one, is a stupid God, he says. Mais Allah étant un Dieu unique, il est déjà stupide. Stupid things in the Quran. Puisqu'il a dit des choses stupides dans le Coran. Allah is one, but he said that the sperm of the man came from the backbone. Mais Allah est un, il dit que le sperme de l'homme vient de la colonne vertébrale. The man. I mean, how the one God, he is one. No. Hein? De la colonne vertébrale de l'homme. Comment est-ce qu'un Dieu qui est un peut dire des choses comme ça? Ça me rend même la tâche facile pour montrer que Allah est un faux Dieu. Nous avons un Dieu, soi-disant, et celui qui parle. Pas un deuxième, un troisième. Ici, on a un Dieu. Et il dit que le sperme de l'homme vient de la colonne vertébrale de l'homme. Et ça, c'est faux. No science agree with such a stupid statement. Il n'y a pas de science qui soit d'accord avec une déclaration si stupide. When the God of the Quran in chapter 86 says that the woman she have a sperm. Lorsque le Dieu du Coran dit dans le chapitre 86 que la femme a aussi le sperme. And the sperm is coming from her ribs. That's the most stupid God ever. Et le sperme de la femme vient à partir des os, des ossements de la, de ses côtes, de sa poitrine. Ça, c'est stupide. So he's one or two or three, who cares? He's... Qu'il soit un, deux ou trois, ça nous importe peu. Stupid God is still... C'est déjà stupide. Un Dieu stupide. Non, je ne suis pas dans la science coranique, moi. Yeah, puisque moi, je ne crois pas que le Coran soit un livre scientifique. Ça importe peu. Muhammad, lorsque Dieu parle, shouldn't God knew how he made the baby? I mean, come on. This... Si Dieu qui parle de comment est-ce qu'il a créé le bébé, n'est-ce pas normal qu'il devrait nous dire comment est-ce qu'il a créé le bébé? It's not about science now. This is about how it made. Ça, ce n'est pas la science. C'est comment est-ce qu'il a formé le bébé? Forget about science. Science is something. Oublie la science. We practice and we learn from it. La science, c'est ce que nous pratiquons et nous apprenons. But God now, supposedly, his name is Allah. Is teaching us how he made the baby. Should... Mais ce Dieu qui s'appelle Allah, soi-disant, il nous enseigne comment est-ce qu'il a formé le bébé. God who made the baby knows how the baby is made. N'est-ce pas qu'il devrait connaître comment est-ce que le bébé est fait? If he gave us wrong way, wrong information, that means he is not the one who made the baby. Donc s'il nous donne une information fausse, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a créé le bébé. If I go right now to a person, he said I am the one who made the car, but he cannot put the engine together. Obviously, he is a fraud. Alors si je partais quelque part, je dis que c'est moi qui ai fabriqué cette voiture et je ne peux pas mettre rassembler le moteur, c'est que c'est faux. Correct? Correct? You cannot be a person who make a car but you do not know anything about mechanic. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a inventé la voiture mais tu ne connais rien de la mécanique. So the God of Islam is telling me how the baby is made and then we find that this is stupid. Donc le Dieu de l'Islam il me montre comment est-ce qu'il a créé le bébé et on trouve que ça c'est stupide. So he cannot be the God who created the baby. Alors, ça ne peut pas être le Dieu qui a créé le bébé. Oui, je sais que la science dit quelque chose d'autre. Et ça peut être différent, mais comme j'ai dit que moi, je n'ai jamais considéré ces histoires ici scientifiques du Coran. Pour moi,
Islam, you know, it's just because it unites us, you know, son, blah. Pour moi, mon amour pour l'islam, puisque l'islam nous unit. No, Islam does not unite us. Ça nous unit, nous les noirs et les blancs. Non, l'islam ne nous unit pas. Islam does not unite you. L'islam ne vous unit pas. Muhammad, he said it clearly. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا. Islam is start as a strange and will end as a strange, which means. L'islam a commencé, Muhammad a dit, l'islam a commencé d'une manière étrange et ça va se terminer d'une manière étrange. People will leave it. People... Beaucoup de gens vont quitter l'islam, d'après Muhammad. Will deny it. And the proof in front of you, where will... Beaucoup de gens vont quitter l'islam. La preuve est là, devant toi. Can't find Muslims are united. You are killing each other everywhere in the world. Où est-ce que tu peux trouver les musulmans unis entre eux? Mais les musulmans se tuent partout dans le monde. Everywhere in the world, not a single country have a peace. Partout dans le monde, il n'y a aucun pays musulman qui a la paix. The only places have peace is protected by America. Les seuls endroits là où il y a la paix dans des pays des musulmans, ce sont des pays protégés par les Américains. America go out like Emirat, Qatar, Bahrain. Si les musulmans, les Américains se retirent, comme le Qatar, le Bahrain. Si les Américains quittent, ils vont se tuer. En France, nous avons... En France, nous, les musulmans, nous nous respectons. Moi, je suis un noir africain. Écoutez, mon frère, tu dis que tu es noir africain, n'est-ce pas? Oui, je me rencontre avec les musulmans de l'Algérie, du Maroc. Nous sommes comme des frères. Now in search, how they treat you as a black person in Morocco. Va juste sur internet chercher comment est-ce qu'ils vous traitent, vous les noirs, au Maroc. In Tunisia, in Libya. En Tunisie, en Libye, et tu vas voir. They treat you with my respect to you in a very ugly, disgusting way. Don't... Ils vous traitent d'une manière dégoûtante. Don't listen to me. Go right now searching Google. Avec tout le respect que je te dois, va juste chercher ça sur Google, tu vas trouver. Go search in Google. Va chercher. A guy from Senegal, he married a white girl from Morocco. Un homme du Sénégal, il s'est marié à une fille du Maroc. The whole nation is against them. Et tout le pays du Maroc s'est soulevé contre ce couple. Go and watch the video. Tu peux aller chercher cette vidéo. Why? Because he's a black person. Pourquoi? Puisqu'il est un homme noir. What are you talking about? And as long as... Tu parles de quoi? Et aussi longtemps... You're a black person. What do you think about the prophet he say? Et aussi longtemps que tu parles de tu es noir, comment est-ce que tu penses de ton prophète qui a dit that black people, the shaitan is black. Ton prophète qui a dit que le diable est noir. Listen, Christian Prince, to be quite sure, you know, listen, I was born in France, you know. Christian Prince, écoute, pour être franc, je suis né en France. And I went to Morocco, Morocco twice actually. I never have any problem with them. Je suis même parti au Maroc deux fois. J'ai visité le Maroc deux fois. Et je n'ai jamais eu de problème avec les Marocains. Because you have a French citizenship. Oui, mais c'est puisque tu as la nationalité française qui te respecte. Because you have a French citizenship if you live. Je suis marié à une femme française. Oui, c'est puisque tu as la nationalité française qui te respecte. There, as a citizen from different country, go if you are from Eritrea or Ethiopia and see what they would do. Mais va là-bas, si tu venais d'un pays de noirs, tu vas voir comment ils vont te traiter si tu venais, par exemple, de l'Éthiopie ou bien d'autres pays. But because you are protected, you are French. Mais là, puisque tu es protégé, tu es français. Go and work there if you are a person who is not from France. Va essayer de travailler dans ce pays si tu n'es pas français. And see how they will deal with you. Et tu vas voir comment est-ce qu'ils vont te traiter. Go and ask for a woman to marry you from there. Let's see what will happen. Va essayer de te marier à une fille qui vient de ce pays-là. Tu vas voir comment ils vont te traiter. And now, let us not to change the topic. Mais ne changeons pas de sujet. Muhammad, he said the black dog is the devil. Do you agree with him? Muhammad a dit que le chien noir, un chien noir, c'est le diable. Est-ce que tu es d'accord avec Muhammad? Non, je ne suis pas d'accord, puisque un chien, c'est un chien, c'est un animal. Okay. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would never say something like this. Rasulullah ne peut pas dire quelque chose comme ça. Right at the sea. Christian friend, that's the thing.
Christian Prince, c'est pour cela lorsque je suis en train de lire ton livre, je suis encore au milieu de ce livre-là. Et je m'énerve, je sens la colère. Okay, but I'm showing you the reference, my friend, and now you just Oui, je vais te montrer les références. Et tu as dit? said the prophet he never say such a thing. Tu as dit que ton prophète ne peut pas dire quelque chose comme ça? Show it on the screen, so you get angry, no problem. That's a good thing. Je vais te montrer ça, je vais mettre ça à l'écran. Tu vas t'énerver, pour moi c'est bon. I want you to get angry actually, so you can search it and read it and find it if it's true or not. Je veux que tu sois vraiment énervé en colère pour que tu puisses toi-même chercher ça et trouver ça. If a Christian prince is lying, laugh at the Christian prince, spit in his face. Si Christian Prince est en train de mentir, alors tu dois te moquer de moi, tu dois alors cracher sur mon visage. But I'm not lying. Here we go. This is the hadith. This is in Sahih Bukhari. Je ne suis pas en train de mentir. Tu peux voir ça c'est un hadith Sahih Bukhari. So, did I lie? No. This is Sahih Muslim. Did I lie? Ça, c'est Sahih Muslim. Je te montre les hadiths. I know. It's in front of us on the screen. Here we go. Let us show you. C'est devant nous, dans l'écran. Tu peux voir. All those are Sahih hadith. Tout ça, ce sont des hadiths qui sont en Sahih. And the black dog is the devil. Et Muhammad a dit que le chien noir est un diable. The black dog is the devil. Let us read this one. Here we go. Il dit, le diable, c'est un chien noir. C'est ce qu'il a écrit là. Le black dog. The black dog is a shaitan. This Le is. chien noir. Let us go to. On peut partir? Hold on, I think I have, some kind of delay on This internet. is this is. Ah, je pense que mon écran ne montre pas. J'ai un petit délai, un petit retard sur mon écran. This is Sahih Muslim. Ça, c'est le livre de Sahih Muslim. This is Sahih Muslim. Hadith number 510A. Ça, c'est l'hadith 510A. All right. And this is the hadith. Ça, c'est les Here hadiths. we go. Let us say, Allah Messenger, he said, if any of you stand for a prayer and there is anything before him, Le messager d'Allah dit, si quelqu'un se tenait dans la prière, il y a quelque chose devant lui. equal to a black, sorry, equal to the back of the saddle that cover him, in case there is not before him a thing equal to the back of the saddle. On va vous montrer ça en français. His prayer will be cut off Sa prière sera coupée. by passing off an ass, a woman, and a black dog. La prière sera coupée si un âne passait, si une femme ou bien un chien noir. Si un chien noir passe, la prière de musulman ne sera pas exaucée. I said, Abu Dhar, what feature is there about a black dog? Alors, j'ai posé la question à Abu Dhar. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de différence entre un chien rouge et un chien jaune? Which distinguish it from a red dog or yellow dog. Et ce qui le différencie avec un chien noir? So this is the narrator Abu Dhar has been asked because he is the one reporting the hadith and it's very Et ça, c'est Abu Dhar qui a posé la question. Attendez, on va vous mettre cet hadith en français pour qu'on soit à la page. Juste une minute. On va vous mettre ça pour que nous soyons vraiment à la page. Avec Christian Prince, ce sont des très bonnes choses. Ah, voilà, nous y sommes. Ça, c'est les hadiths. Attendez, je vais vous projeter ça pour que nous puissions être à la page, puisque ça, c'est à titre d'éducation que nous faisons ça. Là, c'est le Sahih, un hadith qui est Sahih, Sahih Muslim, numéro 510. Abu Dhar a rapporté le messager, là, lorsque l'un de vous s'élève pour faire la prière, et qu'il y ait devant lui une chose égale au dos de la selle, au dos de la selle, qui le couvre au cas où il y aurait devant lui une chose égale à l'arrière de la selle, ce qu'on mettait sur le cheval, sa prière serait interrompue par le passage d'un âne, une femme et un chien noir. J'ai dit, ô Abu Dhar, le père des fourmis, quelles caractéristiques y a-t-il dans un chien noir qui le distingue
du chien rouge et du chien jaune. Il a dit, oh, fils de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah, comme tu le demandes. Et il a dit, le chien noir est un diable. Ça, c'est Muhammad qui a dit ça. On continue avec Christian Prince. Trustworthy companion. He said, O my the son of my brother, I asked the messenger of Allah, the same as you asked me, which means what distinguished the black dog? Il dit que j'ai demandé au messager d'Allah comme toi tu me le demandes. Et il a dit, le chien noir est un noir. From the yellow dog or Le chien noir est un diable. red dog. He said, the black dog is the devil. What do you think? And you are the one who just said this. Qu'est-ce que tu penses? C'est toi qui as dit que Mohammed ne peut jamais dire quelque chose comme ça. This can't be true. Ça ne peut pas être vrai. Why the black dog is a devil? Will you tell me? I don't know. You... Mec, pourquoi est-ce que le chien noir est le diable? C'est toi qui dois me dire ça. Le chien noir est un démon. You are a Muslim, not doesn't make innocent. sense. Doesn't make sense. I agree. Hein, ça n'a pas de sens. Hein? Be with you. This is this. Oui, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de sens. Disgusting. This just because he's black. Ça n'a pas de sens. Hein? Juste parce qu'il est noir. Hein? On doit l'appeler qu'il est un démon. Just because he's black, he's a devil. Obviously, they are. Hein? Parce qu'il est noir, on l'appelle démon. Est-ce normal ça? Ask him what is different between white dog and yellow dog. On lui a posé la question, quelle différence y a-t-il entre un chien noir et un chien qui est d'une autre couleur, jaune ou blanche? I mean, why? What the difference? Quelle est la What différence? distinguish? Here, read with me. Qu'est-ce qui différencie? Oh, about there. An animal is an animal. Exactly. Un animal, c'est un animal. Il n'a rien de fait de mal. What distinguish? What is the feature? Is there in a black dog which distinguish it from a red dog or yellow dog? Quelles caractéristiques y a-t-il dans un chien noir qui le distingue du chien rouge et du chien jaune? I mean, even the guy, he was just because he's black. Pas parce qu'il est noir. See, they are talking only about colors. They are not talking about a certain dog. He Il parle seulement de la couleur ici, et non pas d'autres caractéristiques. was bad, vicious, maybe. Si peut-être le chien était méchant, c'était un méchant, un chien mauvais. Because some dogs can be, evil, right? Puisqu'il y a des chiens qui peuvent être vraiment vicieux, des chiens méchants. The only difference between them, he's talking only about a black dog. He did not. Mais il parle, la seule différence pour qui l'intéresse, c'est le chien noir. Let's say he did not talk about a dog in front of him. Is any of those things can disturb your prayer? Il n'a pas dit, parmi ces gens, ils peuvent, ces histoires ici, ces animaux, ils peuvent détruire, interrompre votre prière. Il n'a pas dit ça. A woman, a donkey, and a dog. And imagine. Mais il a dit, la femme, un âne, eux, un chien noir. Imaginez-vous. My friend, you're a prophet. He put your mother, with my respect to her, equal to a dog and a donkey. Votre prophète a mis ta maman à toi égale, au même pied d'égalité qu'un chien et un âne. Avec tout le respect que je dois à ta maman. I mean, how in the world this can be true? Comment est-ce que ça peut être juste? So, not only discriminating even animals because of their color, consider them the devil just because he is a black. Non seulement faire la discrimination des animaux, que ce soit un diable, un démon, mais juste puisque le chien est noir. So, if Muhammad he think that the dog is the devil just because of his color, that means the devil is a black anyway. Si Muhammad pense que le chien noir est un démon, est un diable, c'est que le diable est un noir, d'après Muhammad. According to him. Do you agree? Tu es d'accord? No, of course not. Non. I'm not a devil. I'm a nice No, I'm not saying. Non, moi je ne suis pas diable. No, I'm not saying that. Muhammad. Non, je n'ai pas dit que toi tu es diable, mais c'est Muhammad qui a dit ça. I'm not saying that. Don't take me wrong. Ne me comprends pas mal. Être noir, tu ne peux pas dire que quelqu'un est noir puisqu'il est noir. Il est méchant, il est mauvais puisqu'il est noir. Hein, Christian Prince, tu sais ça et moi aussi je sais ça. What I And I've never seen something like this before in my life, man. Doesn't matter. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil toute ma vie.
There, my friend, I'm showing it to you on the screen. Ah, ça importe, fais-moi, je te montre à l'écran. If you don't see it before, now you see it. You have to... Si tu n'as jamais vu ça auparavant, moi je te le montre. Be honest, you are the man. Tu es trop honnête, tu es un homme. You see, I respect you, that you are a man. Et je respecte que tu sois un homme avec dignité. And you will not accept such a garbage. Et tu ne peux pas accepter de pourriture pareille. Do you accept this? Est-ce que tu acceptes ça? No, listen, non. I'm 37 years old, you know? J'ai 37 ans. 37 years I've been Muslim. Et pendant 37 ans, j'ai été musulman. I did everything. So what? So what? Never... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 27 ans, alors? My friend, 27 years, you were ignorant, and now you are seeing... 27 ans, tu étais ignorant, et maintenant, je te montre la vérité. In the truth, you see, I'm not making things up. Et tu vois que je te montre la vérité, malgré tes 27 ans. Je te montre les hadiths, le site internet, je te montre tout. 37, pas de problème, 37. Or even this is more, even, okay, 37, you are a growing man. So 37 ans, donc tu es un homme adulte. 37 years of your life, you never saw this, thank God. 37 ans dans ta vie, tu n'as jamais vu ça. Que Dieu soit loué, que puisque je te montre ça. Finally, you saw it. Puis tu as vu? Qu'est-ce que tu dis? You will stay a Muslim following this garbage? Tu vas rester musulman pour suivre ces ordures? A person considers even animals just because they are black, devil. Un homme qui considère les animaux, même les animaux puisqu'ils sont les diables, puisqu'ils sont noirs. Do you know that Muhammad, he said, the most human being Allah he hate is a black person? Est-ce que tu sais que Muhammad a dit que la personne que Allah déteste le plus, c'était un homme noir? No, subhanallah. Non, subhanallah. Subhanallah. Okay, here we go. Subhanallah. Non, subhanallah. Ok, on va te montrer, tu vas voir. Il ne peut pas dire quelque chose comme ça. Mon frère, tu vas me provoquer. I'm not pushing you, my friend. I'm not... Je ne te provoque pas, mon frère. Je vais te montrer. Mais tu es en train de m'énerver avec ce que tu dis là. Ce que tu me dis là, c'est en train de m'énerver. Tu es en train de pousser mes boutons. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai 37 ans et je n'ai jamais entendu ce que toi tu me dis. Ok. Hein, merde, tu parles de quoi? Toute ma vie, je n'ai jamais entendu ça, toute ma famille, 37 ans. All right, but okay, so do you accept what Muhammad saying? I am making you angry. Tu acceptes ce que Muhammad dit? Moi, tu dis que moi je t'énerve. And I'm happy I'm making you angry because... Et je suis très content de te rendre en colère, de t'énerver. Because that's mean you are seeing the truth. The truth is making you angry. Puisque ça veut dire que tu vois la vérité et la vérité est en train de t'énerver. I'm so happy for you. Je suis très content de toi. So, do you accept that a black man is the most person Allah hate? Est-ce que tu acceptes que l'homme noir soit la personne que Allah déteste le plus? Why? We're all people. Pourquoi? De tous ces gens, comment est-ce que Allah va seulement haïr l'homme noir? Why Allah? Ah, c'est tenté de me dire pourquoi Allah? Allah the most I'm telling you, all people, how can Allah not choose the black man on the head? Pourquoi est-ce qu'Allah va choisir, il va dire que j'ai cet homme noir, l'homme noir? My friend, I am the one who is asking the question. You are non, c'est moi qui te pose la question. C'est toi qui es le musulman. Non, moi je te réponds. I'm really getting angry. Come on, man. Ah non, tu es en train de m'énerver, hein? Puisqu'à cause de la couleur de ma peau noire, je suis un homme méchant, un homme mauvais. Non, écoute, Christian Prince, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est ton prophète. Il ne faut pas me blâmer, moi, c'est ton prophète qui a dit ça. Regarde cet hadith que je vais te montrer. Et ça, c'est un hadith sahih muslim. The most person Allah he hate is a black person. La personne que Allah déteste le plus, c'est un homme noir. Let me wait for you on the screen. Je vais mettre ça, afficher ça à l'écran.
So you get angry. Okay, what I can do? I mean, I can. You want me to change the statement of your prophet? Tu vas t'énerver. Tu veux que moi je puisse changer les paroles d'un prophète? This is your prophet saying that. Ça, c'est ton prophète qui parle de ça. The most person Allah he hates, the most Allah among the creation of Allah, the most person Allah he hates is a. La personne la plus que Allah déteste parmi sa création. Black man, do you see it? Tu vois ça, hein? C'est un homme noir. Est-ce que tu vois ça? On a souligné ça. Tu vas voir ça. Are you looking at it? Okay. So who is the one who said that? Are you? Est-ce que tu vois ça? Qui a dit ça? You are making me angry. Tu as dit que moi j'étais nerveux. Just showing you what your prophet said. Je ne fais que te montrer ce que ton prophète a dit. Attendez, on va mettre ça en français. Ça devient maintenant dangereux. De bon, c'est faux. On va montrer ça. Il faut que nous puissions chercher ça en français. Parce que ça commence à devenir dangereux. Ça commence à devenir dangereux. Ce que Christian Prince est en train de nous montrer. Alors, il faut que nous soyons sur la même page avec Christian Prince. OK. Juste une minute. Ça, c'est notre numéro pour ceux qui veulent débattre avec nous, puisque nous faisons des débats. Là, c'est Saïd Moslem. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Saïd Moslem, numéro 1066. Il dit, l'esclave affranchi du messager d'Allah, quand Aruria, le Khawarij, partit, il était avec Ali Abu Talib. Alors, le hadith continue, ce que Christian Prince était en train de lire, c'était ça. Le plus odieux parmi les créations d'Allah est un homme noir parmi eux, Khawarij. Le plus odieux, c'est quelqu'un qu'on hait, quelqu'un que Allah hait parmi les créations d'Allah est un homme noir. Ça, c'est selon la translation de ça. Ah, puisque les musulmans, ils aiment toujours tricher. Le hadith, c'est aussi en arabe. Les gens peuvent chercher. De celui que la création de Dieu est parmi eux, est le plus noir. Bon, ça, c'est eux, ils cherchent à traduire de leur manière. Ça, c'est Saïd Moslem, numéro 1066. On continue avec Christian Prince pour la beauté. And here we go. This is the reference as it is from Sahih Muslim Hadith number 1066G. Et ça, c'est la référence. C'est la référence. Just a minute. Let me put it. Donne-moi une minute, je vais afficher ça. Oh, baby, I'm in a conversation, yeah? Please. Je t'en prie. Sorry, my wife was coming here. No problem. Et attends, ma femme était en train de venir dans la maison, ici. Et je ne veux pas qu'elle puisse entendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. No, I'm angry actually. I don't want to put it on her. Je suis très énervé maintenant. Je ne veux pas que ma femme puisse écouter de quoi est-ce que je parle. Qu'elle puisse entendre ça. Yeah, go ahead. C'est Sahih Muslim, hein? Mm-hmm. Tu as dit Sahih Muslim? Sahih Muslim, hadith number 1066G. And I'm showing it to you on the screen. Read it. Hadith 1066G. Yeah, dans l'écran. Some kind of delay. Okay. So what we will do now? The most person Allah he hate between all the creation of mankind is a black person. Why? La personne la plus odieuse de toutes les créations de Allah, c'est un homme noir. What is the color have to do with this? He didn't say an evil person. Pourquoi? Qu'est-ce que sa couleur a fait? On n'a pas dit que c'était un homme méchant, mais on a parlé juste de sa couleur. Black man. He says a black person. Un homme noir. Wow. Oh. Who's going to destroy the Kaaba? A black person. Qui va détruire la Kaaba? C'est un homme noir. Who is the devil? A black person. Qui est le diable? Un homme noir. Who is the most person Allah he hate? A black person.
La personne que Allah hait le plus, c'est un homme noir. The dog is a devil. Why? Because he's a black. Le chien noir est un démon. Pourquoi? Puisqu'il est noir. Dog. What do you want more? Qu'est-ce que tu cherches de plus? Do you know tomorrow? You know, inshallah, you know, I'm gonna go see my sheikh. I'm 100% sure you're gonna tell. Demain, Dieu voulant, je vais chercher le cheikh, mon enseignant, le cheikh de l'imam. Et je suis très sûr. Je suis sûr qu'il va me montrer, me dire que ça, ce sont les hadiths qui ont été abrogés, des faux hadiths. My friend, hold on. Attends, mon ami, attends. This is what abrogated. This is Allah he hate. Abrogé comment? Ça, c'est Allah qui hait. He hate. Allah abrogate his hate now. Est-ce que Allah a abrogé sa haine? Even if he abrogate. Come on. Muhammad. On n'a pas abrogé ça. You are smarter than this. Tu es plus intelligent que ceci. You see, I'm speaking to a grown man. He's 37 years old. What abrogate? Tu dis que je parle à un homme adulte qui a 37 ans. Abrogé. Qu'est-ce qui est abrogé? It's about Allah, decision of punishment, etc. This is Allah. He hates. Hein? Abrogé, punition, quoi? Mais ça, c'est Allah. The most person Allah he hates already. The person exists. La personne que Allah détestait le plus, la personne la plus odieuse, cette personne existait. C'est un homme noir. Amen. Muhammad, he said, "Waqtulu kulla aswadin bayin." Kill every pure black. Muhammad a dit, tuez tout celui qui est pur noir. Animal. Tout animal noir pur, vous devez le tuer. Every black animal. Why? Tout animal noir, vous devez le tuer. Pourquoi? What's wrong with the black animals? Why we need to kill every black? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les noirs, les animaux noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? I think black is beautiful. I like black dogs. I like black cats. You see, for me, I believe all the creation of God is a creation of God. Pour moi, je crois que toute la création de Dieu, c'est la création de Dieu. The color doesn't make any difference. La couleur ne fait pas de différence. But when you say "waqtulu kulla aswadin bahim," obviously you are a filthy racist. So. Mais si tu commences à faire la distinction, c'est que tu es raciste. Kill. Do you read this hadith? This is sahih. So kill every one of them. Ça c'est un hadith qui est sahih. Il dit que tu es parmi eux tout ce qui est noir. Which is totally black. Tout ce qui est noir. Why you wanna kill animals just because they're black? Il dit tu es tout ce qui est noir. Attendez, on va vous mettre ça en français. Pour que nous soyons sur la même page. Avec Christian Prince. Nous devons être sur la même page avec Christian Prince. On va vous montrer cette liste ici en français. Nous sommes là. Juste une minute, on va vous montrer. Ça, c'est notre numéro pour les gens qui veulent débattre avec nous. Ces choses qui nous font très mal. Ça, c'est Jami At-Tirmidhi. At-Tirmidhi, numéro 1486. Il dit ceci. Jami At-Tirmidhi. D'après Abdullah bin Mukhafar, que le messager d'Allah paix soit sur lui, blabla, et a dit, si ce n'était pas que le chien faisait partie d'une nation parmi les nations, alors j'ordonnerais qu'ils soient tous tués. Alors tuez tous ceux qui sont tout noirs. Il dit, tuez tous ceux qui sont tout noirs. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent des choses pareilles. On retourne chez Christian Prince, on continue avec Christian Prince.
It doesn't make sense to me too. Ah, cet avis n'a pas de sens pour moi. Oui, pour moi non plus. Je suis né en France. J'ai grandi en France, moi. For me, it doesn't make sense. Et pour moi, ça n'a pas de sens, c'est Addis. Mon frère, est-ce que tu vois cet écrit que le Addis est sahih? Do you see it says sahih? Do you see the toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Tu as vu c'est sahih? It says what? Sahih. 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 Yeah, okay. So, kill every pure black. So what the problem? What the problem? Tu dois tuer tout ce qui est tout noir. With those dogs? Or those... Ces chiens-là, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Animals, they are pure black. Ils sont noirs. If you see a pure black animal, kill him. Why? Si tu vois un animal noir, tu dois le tuer. Because he's a devil. Puisqu'il est un démon. Yeah, okay. Listen, I don't think you're some black make you devil or something, but... Non, je ne pense pas qu'être noir, ça te rend démon ou diable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester musulman avec tout ce que tu as entendu? Je te montre, est-ce que tu acceptes cette religion? Do you still consider yourself a Muslim? Be honest. Est-ce que tu te considères comme musulman? Sois honnête. Ah, j'ai déjà des doutes, hein. That's why I wanted to call you, you know. Et c'est pour cela que j'avais voulu t'appeler. Okay. So I actually wanted to refute you. Je voulais juste te réfuter d'abord. Tell you that, no, you are wrong. We Muslims, we are very nice people, we love each other. Pour te montrer que tu avais tort, nous les musulmans, nous sommes des gens bien, nous nous aimons entre nous. Black, white, ici en France, yeah, you know. Les noirs, les blancs, tu vois ici en France. Chaque fois que nous partons à la mosquée, nous sommes des frères et des frères, des frères et des sœurs. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil concernant les noirs. So my friend, what will we do now after we learn the truth? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après avoir vu la vérité? Bilal, the most famous black person, he died as a slave. Même Bilal. L'esclave le plus fameux, celui qu'on connaissait partout, Bilal, il est mort comme esclave. Bilal, after the death of Muhammad, Bilal, après la mort de Muhammad, il était toujours esclave. Non, Christian Prince, en tout cas, là, tu vas me pousser trop loin. Il ne faut pas toucher Bilal. Hein? What? Hein? Well, as if that is not true. Non, ça c'est pas vrai, c'est ce que tu dis. Bilal était affranchi, libéré dès le premier jour. Dès le premier jour, Bilal a été affranchi. On va voir si c'est vrai. Oui, c'est vrai, Bilal a été affranchi dès le premier jour. Est-ce que tu as une référence à me montrer ça? Hein? Can you show me reference? Tu veux me donner une référence? No, from day one, you know that, Jonathan. Bilal, no. Bilal a été affranchi dès le premier jour. Son maître, le maître de Bilal, était très fâché. Alors, le prophète Muhammad je pense que le prophète a envoyé Abu Bakr pour aller acheter Bilal. And that's it. Bilal, et c'est tout. Okay. Et Bilal était libre. Well, let us see. Let us see if this is true or not. Isn't it Bilal? On va voir si c'est vrai, si c'est faux. N'est-ce pas Bilal? Who came to Abu Bakr after the death of Muhammad and said to him? N'est-ce pas Bilal qui est parti voir Abu Bakr après la mort de Muhammad et lui a dit? If you bought me for the sake of Allah, then release me for the sake of Allah. Si tu m'as acheté pour la cause d'Allah, tu dois maintenant me libérer pour la cause. Tu dois m'affranchir pour la cause d'Allah. And if you bought me for the sake of yourself, then keep me for the sake of yourself. Et si toi tu m'as acheté pour toi-même, alors tu dois me garder comme esclave pour toi-même. He said that to him. N'est-ce pas que Bilal avait dit ça à Abu Bakr? Begging for his freedom. Il était là, il était en train de supplier pour qu'on puisse
le libérer. Est-ce que tu as mis ça dans l'écran? Puisque je pense que mon internet me pose problème. Je vais chercher cet hadith. Donne-moi quelques secondes. Non. Christian Prince, you are pushing too much, man. Ah, Christian Prince, tu es en train de me pousser trop loin. Yeah, well, I am here to show you the truth, my friend. That's what I'm doing. Ah, je suis là pour te montrer la vérité. And I don't waste my time. I say the truth and the truth. Je ne perds pas mon temps. Je dis la vérité. The truth will set you free. Et la vérité va vous va t'affranchir. Where is the hadith? Give me a second. Voyons cet hadith. Donne-moi une seconde. Here we go. On y va. That's impossible, Christian Prince, man. I never heard something like this, man. I'm 37 years old. Ah, ça c'est impossible, Christian Prince. Tu ne peux pas me montrer quelque chose. J'ai 37 ans. Man, I'm not a child, man. Je ne suis pas un enfant. All my life, man. Toute ma vie. All my life, I've never heard something like this, man. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil toute ma vie. Either you're a liar, or you're just trying to trick me. Soit tu es menteur ou bien tu veux juste me truquer. Cool. I'm showing the reference. Ah, je te montre la référence. Let's see if I can show you the hadith. Voyons, je vais te montrer les hadiths. Yeah, I'm sure you don't find any hadith like this in the sun. Je sais que tu ne vas jamais trouver un hadith pareil qui dit ce que tu as dit. Sublime, Christian Prince. Actually, I nearly believe you, man. Ah, Christian Prince. J'allais presque croire dans ce que tu dis. Hein? Mais tu me pousses maintenant de me loin. Hein? Tu m'énerves. Now you're telling me something that's not true. Okay. Maintenant, tu me dis quelque chose qui n'est pas vrai. But, you yes, know, Christian Prince has been busted today. Hein? Christian Prince, je vais te casser aujourd'hui. Je vais t'attraper dans tes mensonges. Yeah, I'm getting busted. Tu vas m'attraper dans mes mensonges. You did not bust me anything, but you agreed with me, actually. Hein? Tu ne m'as pas cassé, tu es d'accord avec moi. I just did, man. What you said is not true. Okay. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Come on, man, I'm 37 years old, man. How old are you, man? Hein? J'ai 37 ans. Hein? Et toi, Christian Prince, quel âge as-tu? How old are you? I'm very old, I'm born. Je suis trop âgé. Hein? Before Muhammad, before Allah. Je suis né avant Muhammad. Je suis né avant Allah. Yeah. No, that's not true. Muhammad was born before Adam. Let us see. Let me get. Yeah. I'm getting busted. Alhamdulillah. How you did not bust me anything, man. You agreed with me. Tu m'as attrapé. I just did, man. What you said is not true. C'est pas vrai. Come on, man. I'm 37 years old, man. How old are you, man? How old are you? I'm very old. I'm born before Muhammad, before Allah. Je suis né avant Muhammad, avant Allah. J'ai répété ça. Yeah. No, that's not true. Muhammad was born before Adam. Muhammad est né avant Adam. Let's see. Let me get you the hadith. Avant, attends, je vais te montrer les hadiths. Give me a second, I'm trying to find it. Donne-moi une seconde, je suis en train de chercher ça. Yeah, man, I can give you 100 years. I'm waiting. Je peux te donner même 100 ans. J'attends. Tu ne vas jamais trouver un indice comme ça. Guys, everybody who's in the chat, Christian Prince has been busted today. Oh, vous les gens qui nous suivez en direct sur Internet, Christian Prince était en train d'être cassé. Je vais attraper ses mensonges aujourd'hui. Allahu Akbar. And if I show you the hadith now, what you will in front of you. Here we go. It's in the screen. Sahih al-Bukhari. I busted because a second ago you said, if I don't show the hadith, I get busted. So if I show the hadith, yes. I mean Muhammad get busted. Okay, thank you. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je répétais, hein, pour la beauté. C'est bon ça. Give me a second. I'm trying to find it. Yeah, man, I can give you 100 years. Même dans 100 ans, tu ne vas pas trouver ça. Everybody who's in the chat,
same place have been busted today. Ha ha ha. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oui, je suis en train d'attraper Christian Prince à Takbir, à la Wakba. And if I show you the hadith now, what you will do? Et si je te montre le hadith, qu'est-ce que tu vas faire? Show me the hadith. No, I want to... Montre-moi le hadith. To agree. If I... Je veux que tu sois d'accord. Je suis 100% sûr. If I show you the hadith, if I show... Tu ne vas pas trouver ça. Et si je te montre ça? Are you going to agree that Muhammad get busted? Because a second ago you said. Si je te montre ça, tu vas trouver qu'on a cassé Muhammad, on a attrapé dans ses mensonges, puisque tu as dit que tu vas me casser, tu vas m'attraper dans mes mensonges. If I don't show the hadith, I get busted. So... Si je ne te montre pas les hadiths, c'est que tu m'as cassé. If I show the hadith, yes. That means Muhammad get busted. Okay, thank you. Si je te montre les hadiths, c'est là que Muhammad est cassé, n'est-ce pas? Merci. Donc si tu me montres le hadith, c'est que Muhammad est cassé. Mais je suis sûr que tu ne vas pas trouver cet hadith. Je sais que tu ne vas pas trouver cet hadith-là. Le hadith est devant toi. Je suis en train de rafraîchir ma page. C'est devant toi, dans la page-là. Tu peux voir, Sahih Bukhari. Hadith number 7. 3755. Le hadith numéro 3755. Je ne vois rien. Je veux que tu puisses renier Allah. And agree that Muhammad got busted. Et accepter que Muhammad est cassé. Wait, I don't see anything. It's in the screen. On my screen. Refresh. Je ne vois rien dans mon écran. Tu peux rafraîchir ton écran. C'est dans l'écran. The screen. Yeah, I'm refreshing now. Yeah. Okay. Je suis en train de rafraîchir ça. Bilal said to Abu Bakr, Ishihab. Why are you so quiet? Who got busted now? Pourquoi tu es calme? Maintenant, qui est attrapé ici? What happened, Muhammad? Qu'est-ce qui se passe? I was busted 2 seconds ago. Il y a 2 secondes que tu m'as cassé. And you agreed if I show you the hadith, Muhammad get busted. Say it then. Say Muhammad get busted. Et tu as dit que si on te montrait le hadith, Muhammad est cassé. Tu peux dire ça qu'on a attrapé Muhammad dans ses mensonges? The poor guy is begging for his freedom. Muhammad is dead. Cet homme ici, Bilal, cet homme pauvre, il est en train de plaider. De supplier pour qu'il soit affranchi. Muhammad est déjà mort. Maintenant, ce monsieur est en train de supplier pour sa liberté, qu'on puisse le libérer. Hein? Muhammad est mort. Il a laissé comme esclave cet homme ici. Il est en train de plaider. Il est en train de supplier pour qu'on puisse le libérer. Sahih Bukhari numéro 3755. Quand il s'est rapporté, Bilal a dit à Abu Bakr, si vous m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi pour vous-même. Mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah, alors laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Muhammad never freed him all his life. Muhammad ne l'a jamais affranchi toute sa vie. After his death, after all what he did, he became so old. Après tout ce que Bilal avait tout fait, il était vieux. Il était maintenant vieux. Il a grandi, il est vieux. And yet they are still, he is a slave and he cannot take it no more. Et Bilal était toujours esclave et il ne pouvait plus supporter la peine, tout ça. Il était fatigué. If you bought me for the sake of Allah, then release me, hypocrite. Il dit, si vous m'avez acheté pour la cause d'Allah, alors vous devez me libérer pour l'amour d'Allah. Hypocrite. Est-ce que cet hadith est Sahih? Sahih Bukhari, it says Sahih Bukhari. Mais c'est Sahih Bukhari, c'est écrit là, Sahih Bukhari.
Number 3755. Numéro 3755. How sahih it can be more than al-Bukhari? Comment est-ce que ça y peut être plus que Sahih Bukhari? So what do you think? Do you like to be Bilal, the slave of Muhammad? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux être comme Bilal, l'esclave de Muhammad? Spending your life as a slave, the person. Hein, passer toute ta vie comme esclave. The prophet who treats you nicely. Un prophète qui te traite d'une manière gentille. The guy, he was servant. Mais cet homme ici était serviteur. He died as a slave. It doesn't. Et il est mort comme esclave. No matter how nice I am to my slave, you are a slave. Peu importe combien je te traite et je te traite gentiment. Si tu es mon esclave, tu es mon esclave. You are my slave. Tu es mon esclave. As simple as that. C'est simple. C'est simple. A human being want to be nice to a person, he will not accept him to be a slave. Si un homme veut traiter quelqu'un avec gentillesse, il ne peut pas prendre une autre personne comme son esclave. Take him as a friend, companion. Not, you know, slave. He's a slave. Je peux le prendre comme compagnon, comme ami, pas comme esclave. Slave. Esclave veut dire esclave. Bilal used to be ordered to go in the morning to pray. Bilal était ordonné à aller chaque matin pour aller faire les azam, la prière. To call for the prayer because he's the slave. Puisqu'il était esclave. The white man is sleeping. Pendant que les Arabes blancs dormaient. Those are the lords, the masters. Là, ce sont les seigneurs, ce sont les maîtres de Bilal. The poor black guy, yeah. Et le pauvre Bilal. To wake up. They kidnapped him from the middle of Africa. Le pauvre noir a été kidnappé du milieu de l'Afrique. From Ethiopia. De l'Éthiopie. They sold him in Arabia. Et on l'a vendu en Arabie. And now he's a slave of Muhammad. Et maintenant, il est esclave de Muhammad. He spent his life serving him. Il a passé toute sa vie à servir Muhammad. Muhammad speak about himself that he is a person who will make a difference. Muhammad a dit que c'est lui qui va faire la différence. But he did not release him. Mais Muhammad ne l'a jamais affranchi. He died and he still Bilal is still a slave. Il est mort. Muhammad est mort. Bilal est toujours esclave. And then after the death of Muhammad, Bilal is going to Abu Bakr, please free me. Et après la mort de Muhammad, maintenant c'est Bilal qui va maintenant supplier Abu Bakr de me libérer, hein, de me laisser aller, de m'affranchir. Why Muhammad did not free him? Pourquoi est-ce que Muhammad ne l'a pas affranchi? Christian Prince, when I was young, like 16, 17, you know. Christian Prince, lorsque j'étais jeune, j'avais 16 ans ou 17 ans. About this, you know. J'avais vu un film à propos de ça, le film de Bilal. It's a movie. I don't know what to tell you, man. It's a movie. Je ne sais pas que dire, mais ça, c'est juste un film qu'on a tourné. It's a fraud. C'est de la fraude. On vous a trompé. They have tons of fraud to make Muhammad look the best person ever. Ils ont beaucoup de fraude, beaucoup de faux films pour montrer que Muhammad était un homme bon. Muhammad is a fraud. Muhammad était un fraudeur, c'était un homme méchant. Muhammad, he went to the son, his own son wife, and he flirted with her. Muhammad est parti dans la maison de son propre fils et il a flirté avec la femme. What kind of a person he go to his own son? Imagine Muhammad, your father, with my respect to your family, he come to your house and he flirt with your wife. Imaginez-vous avec tout le respect que je dois à ton père. Ton père vient à ta maison et il flirte avec ta femme. What do you think about your father then? Qu'est-ce que tu as pensé de ton père? This is Muhammad. Et c'est ça, Muhammad. He went to the house of Zainab. He flirted with her. He said to her, Subhana mu'allif al-qulub. Il est parti à la maison. Il a trouvé Zainab et il a flirté avec elle. Praise be to Allah, the one who made my heart to flip for you. What kind of a man? He said that to him. Il a dit que Dieu soit loué, celui qui a fait tourner mon cœur vers toi. Quel genre d'homme peut dire ça? Married woman. À une femme mariée? Married to who? Not only. Let us say. Marié à qui? Disons, just a guy, normal guy. Prenons même un homme ordinaire. Muslim guy. What? Juste un musulman. How dare you? He is not only just a Muslim. But Al-Quran said that
Mais le Coran dit, ne dit pas ça? Mais le Coran dit qu'il y avait un moment où Zaïd ne pouvait pas. Non, ça, c'est pas vrai. Il y avait un moment où Zaïd n'aimait pas sa femme. Non, c'est pas vrai, ça. Je vais te montrer que ça, c'est pas vrai. Je vais te montrer à partir des livres de tafsir des musulmans. Zainab, she said that after the prophet he flirted with her. Zainab a dit que après que le prophète ait flirté avec elle, Each time Zaid he tried to get close to her, Allah he made his penis swell. chaque fois que Zaïd voulait coucher avec elle, Allah faisait que le pénis de Zaïd se gonflait. You know what swell mean? Tu sais ce que veut dire gonfler? So Allah don't want the husband to have sex with his wife because Donc Allah ne voulait pas que le mari puisse avoir sexe avec sa femme, the prophet he want to have sex with this woman. puisque le prophète voulait coucher avec cette femme ici. So each time the husband Zaid he want to get close to his wife, Allah bite the penis of Zaid. Chaque fois que Zaïd voulait coucher avec Zainab, Allah était en train de mordre le pénis de Zaïd. Ah, Christian Prince, il ne faut pas dire ça. C'est vrai, mais quel genre de Dieu? He will make you as a husband. Your penis is swell, so a guy, the neighbor, because he like your wife. I mean, what kind? Quel genre de Dieu va faire ça? Que puisque ton voisin veut coucher avec ta femme, il fait gonfler ton pénis. Kind of God this God is. C'est quel genre de Dieu ça? Muhammad is the neighbor. Think about him as the neighbor. Mohamed est un voisin. Pense que Dieu lui comme si c'était un voisin. What Allah is. Tu parles de Allah subhanahu wa ta'ala, Christian Prince. No, Muhammad. You see for me. Non, il ne faut pas dire ça. Allah is not subhanahu. Allah is the devil himself. Pour moi, Allah n'est pas subhana. Pour moi, Allah, c'est le diable lui-même. Promoting evil. What kind of God? C'est lui qui encourage même le mal. He said to a man who claimed to be a prophet. Quel genre de Dieu va encourager un homme qui se réclame être prophète? Why you are saying to the man, keep your wife for you? Il dit, pourquoi est-ce que tu dis à cet homme de garder sa femme pour lui? When Allah told you, I made her lawful for you. How? Lorsque moi j'étais autorisé de prendre cette femme-là, How she made her lawful for you? She's married. mais comment est-ce qu'il a autorisé, puis cette femme est mariée? How Allah he promised a man, his name is Muhammad. Comment est-ce qu'Allah peut promettre à un homme, son nom c'est Muhammad. Married woman. Il lui promet une femme mariée déjà. She is still married. In the same moment he is talking. Make Elle est encore mariée en ce moment-là où il parle. in the verse. En ce moment-là, lorsque le verset est en train d'être donné, cette femme-là est mariée encore. And what kind of a man he go to your house when you are not there, okay? Et quel genre d'homme qui part à ta maison lorsque toi tu n'es pas The là? man is not there. Knock the door. Et il frappe à la porte, toi tu n'es pas là. He's not there. You leave. Et il part. You go inside. Il doit partir, mais pourquoi entrer à l'intérieur de la maison? You see the women stripping or showing her skin and then. Et il voit la femme Zainab bint Jahsh qui montrait la peau, qui montrait son corps. And he flirt with her. Et il a flirté avec elle. And then the wife, obviously she is a bad woman, she told her husband. Et cette femme, évidemment, c'était une femme mauvaise puisqu'elle en a parlé à son mari. And your father he was here and he liked me. So the son he went to the wife. Et le mari a dit que ton père était ici et il m'aime. Father, he says, Father, you know what? I don't like this woman. Take her because he knew already that his wife, she's a chicken with him. Et ce garçon ici, Zaïd, cet homme ici est parti voir Mohamed. Il a dit, eh, ma femme, je ne l'aime plus, tu peux la prendre. Puisqu'il savait déjà que Mohamed couchait avec sa femme. The woman, she like it. Why she want to be married to a poor man? Mais cette femme ici aimait beaucoup ça, puisque comment cette femme va se marier à un homme pauvre comme Zaïd? But she can be married to the master. Alors qu'elle peut être mariée au maître lui-même qui est Muhammad. Listen. Christian Prince, attends, écoute.
I actually have a lot of problem with Surat al-Ahzab. Christian Prince, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes hein, avec la sourate 33, la sourate Al-Hazab. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans cette sourate-là. Tu vas quitter l'islam ou quoi, Mohamed? You're a man. Tu es un homme. You're a man. You are smart. Tu es intelligent. You accept a racist cult. Tu ne peux pas utiliser et accepter une religion des racistes. Insulting you, consider the devil as a black person. Qui t'insulte, qui considère que le diable est un homme noir. The black dog is a devil. Que le chien noir est un démon. I mean, everything is black is a devil. You are a black person. Que tout ce qui est noir est démon. Toi, tu es un homme noir. How you accept such a cult? Comment tu acceptes une telle religion? This is an insult to you. Ça, c'est une insulte à toi. Christ, he made us equal. Christ nous a rendus égaux. No white, there's no black. There's no... Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. No Greek, there's no Hebrew. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, des hébreux. There's no free, there's no slave. All of... Il n'y a ni esclave, ni libre. Plus, we are one by him. Nous tous, nous sommes un en Christ. Amen. To that. Amen. So, you are following, even when you go, okay, let me ask you. Attends, attends, je vais te poser la question. Est-il vrai que that Allah, in the judgment day, he will make all non-Muslims black? Est-il vrai que Allah va faire que tous les non-musulmans seront des noirs? Est-ce qu'Allah va faire ça? What? What? Is it true that Allah, in the judgment day, will make all non-Muslims black? Allah va faire que tous les non-musulmans... This is something I've never heard in my life. No. Tous les non-musulmans seront des noirs. Non, Christian Prince, c'est que tu me dis, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil toute ma vie. Je n'ai jamais entendu ça. Ok. Chapter 3, verse... Allah make, Non, Christian Prince, comment est-ce que tu peux dire quelque chose comme ça? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Que Allah va faire de tous les hommes noirs qui ne croient pas. The devil is black now? Maintenant, tu dis que le diable est un noir et puis tu continues ça? Everyone, he is not a Muslim, don't accept Islam. Allah will punish him, will make him black. Read the chapter. Tout celui qui va rejeter l'islam, Allah va le faire et il sera noir. Le chapitre est là, je vais te montrer, sourate 3, verset 106. 3, verse 106. Read your translation. 306. It's the screen in front of you. C'est dans l'écran devant toi. Je ne vois pas ça encore. Remember the Muslim translation and try to make it look nicer. Souviens-toi. Make it nicer with me. Souviens-toi. We'll get it bust. Les musulmans, eux, ils ont toujours changé de translation. Des fois, ils veulent tromper les gens. La manière dont ils ont traduit ça en français, ou bien dans d'autres langues. Mais ils ne peuvent pas le faire avec moi. Moi, je suis arabe, je vais les attraper. Tu vas voir. Ça, c'est un Coran ou bien un hadith? Non, ça, c'est le Coran, chapitre 3, au verset 106, que je suis en train de te montrer. I can show you more verses. This is not only verse. Je vais te montrer beaucoup de versets. Chapitre 3, Al-Imran. Verse number 106. Chapitre 3, verset 106. Verse number 106. Let me go there quickly. 105, 106. Aujourd'hui, certains visages s'éclairant. Christian Prince, c'est ce que je te disais. En France, ce verset-là ne dit pas ça. On a interprété ça autrement. Ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas ça. En français, dans la version du Coran que je suis en train de lire, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas comme ça. Ça ne dit pas. On vous a menti, ça ne dit pas ça, on vous a menti. Say that the
the day of the judgment day, your face will shine. Ici, on dit dans la version que le jour du jugement, vos faces seront éclairées. Ça sera éclairé. C'est ce que dit la version du Coran que je suis en train de lire par ici. C'est ce que je suis en train de lire. Attendez, on va vous afficher les quelques versions du Coran en français pour que nous puissions être sur la même page avec Christian Prince et les autres, sur 3 versets 100 et 6, nous sommes en train de chercher ça. On va vous montrer ça sur 3 au verset 100 et 6. It says in Arabic, the sweat du wujuh, my friend. Arabic is my first language. I am an Arab. Yawma tabiyadu wujuh, what is sweat du wujuh? Go to the dictionary right now. Je suis arabe. Tu peux même aller chercher au dictionnaire, sur Internet, tu vas chercher ce qu'on a dit en arabe. Ça veut dire noir. Tabiyad and taswad. Tabiyad et taswad. Tabiyad became white. Taswad became black. Taswad, ça veut dire que seront noirs. C'est ça la version correcte. They are lying to you. Ils sont en train de vous mentir. And you know what? We can change the translation for you. You see how many English translation we have here? We can choose different one. On peut choisir. Il y a beaucoup de translations en français. On peut choisir beaucoup. Tu vas voir toi-même qu'on est en train de vous mentir. On est en train de vous mentir. Sur 3, versets 100 et 6. The day faces will be black and then faces will become white. As simple as that. Not only that, si simple if you go and read the chapter of the ants, you will see. Même si tu partais lire le chapitre des fourmis, on a parlé de ça. Entre temps, attendez, on va vous montrer ce que dit le Coran. Nous allons voir. Ça, c'est sur 3 au verset 100 et 6. Une version dit ceci. Sur 3, verset 100 et 6. On dit au jour où certains visages s'éclaireront. On a utilisé le mot éclairer et que d'autres s'assombriront. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, l'autre version du Coran, sur 3, verset 100 et 6, on dit le jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où certains visages deviendront blancs et certains visages deviendront noirs. On parle de noir ici. On continue avec Christian Prince. This is Muhammad Hilal and Khan. Look at the translation. Voyons la translation. I.e. the day of resurrection, when some faces will become white and some faces will become black. Do you see it? Tu vois la translation? This was the translation. Muhammad Hilal, Muhammad Khan. Ça, c'est la translation de Muhammad Hilal. Il dit que certains faces seront black, noir, d'autres white, blanc. Blanc et noir. This is not a Christian Prince translation. Ça, ce n'est pas Christian Prince qui a traduit ça. Ce sont vos translations du Coran. They are lying to you, Muhammad. Ils vous mentent. Muhammad, didn't you get it? Did you get it until now that they are trying to fool those who don't speak Arabic? Don't you get it? Donc, jusque-là, tu n'as pas compris qu'ils veulent tromper, ils veulent duper les gens qui ne parlent pas arabe. Tu n'as pas compris ça? I mean, why it doesn't say that? Why they change the word? Where is the word Chinese coming from? Where it says word Chinese? Hein? Pourquoi est-ce que ça ne montre pas? D'où vient le mot éclairer? Les visages vont s'éclairer, tout ça. Ça vient d'où? I want to see it. Je veux voir ça. You know what? You can copy. Muhammad, tu sais quoi? You can copy. Tu peux copier. This text as it is. Take it to Google Translation. Le texte en arabe comme c'est présenté et prendre ça sur Google. Allez même traduire si tu veux. Does it say shine? Est-ce que ça veut dire éclairer, le visage éclairé? Stupid Google translation will not do that. Même le Google, la translation stupide de Google ne va pas te montrer ça. So they are lying to you. Donc ils sont en train de vous mentir. Why? Because they are liars. Pourquoi? Mais puisqu'ils sont des menteurs. Because they are trying to cover the truth. Il veut couvrir la vérité. Islam is based on lying.
L'islam est basé sur le mensonge. It's legitimate to translate lying because the purpose of this French translation is not to make a Quran. Puisque c'est pour eux, ils doivent mentir. La manière pourquoi est-ce qu'ils ont traduit en français, ce n'était pas pour vous dire la vérité. It's to translate fabricated meaning of the Quran. So, c'était pour traduire des fabrications, une compréhension fabriquée du Coran. People will accept it. Pour que les gens puissent accepter le Coran. The purpose is to make people believe in Islam. Le but, c'est pour faire que les gens puissent croire dans le Coran et dans l'islam. Otherwise, you tell me why. Autrement, tu peux me dire pourquoi? You know, if you go to the chapter 27, si tu pars dans le chapitre 27, do you know the story about Al-Jassasa? Est-ce que tu connais l'histoire de Al-Jassasa? Which story is it? L'histoire de qui? Al-Jassasa, you know what Al-Jassasa is? L'histoire de Al-Jassasa dans le Coran, est-ce que tu connais ça? Jassasa, no, I never hear. Non, je n'ai jamais entendu parler de Jassasa. Jassasa exists in the chapter of the ants. Jassasa dans le chapitre 27, la fourmi. Obviously, it's kind of an ant. Yeah, it's a beast. C'est une bête, forme de fourmi, mais une bête. Yeah. Al-Anam. Jassasa. It's kind of a. Al-Jassasa. Beast will come from the ground. C'est une bête qui va sortir de la terre. And this beast is going to have the staff of Moses in its hand. Et cette bête aura donc le bâton de Moïse dans sa main. And the ring of Solomon in the other hand. Et il aura aussi l'anneau de Salomon de l'autre côté de sa main. And then it's going to hit you in your face. Alors il va frapper sur le visage de chacun. If you are a Muslim, si tu... Allah will make your face all your body will become white. In the beginning, he will... Si tu es musulman, il va faire que tout ton corps, tu vas devenir blanc. Attends. Chapter 27, verse number 82. And this is the interpretation for the verse of Amir Kathir. Look with me on the screen, please. Chapitre 27, verset 82. Je suis en train de te montrer le tafsir de Ibn Kathir, si tu peux regarder avec moi dans l'écran, tu vas voir dans l'écran. Look on the screen. Yeah, I'm looking. Okay, the beast, will emerge from the earth, and with it will be the staff of Moses. And la bête va se lever de la terre, et dans sa main il y aura le bâton, de Moïse. Il aura ça dans sa main. The ring of cinema. Avec. Peace be upon them both. Avec l'anneau de Salomon, que la paix soit sur le deux. On va continuer avec Christian Prince. It will strike the nose of the believers with a staff, okay? And then il va frapper le nez des gens qui ne croient pas avec ce bâton-là. Il va les frapper. The translation that says will become bright with the ring, but look. Et la translation dit que leur face sera claire avec le bâton là. How we expose their lies in the translation. Mais tu vois comment est-ce qu'ils sont en train de mentir dans leur translation. Down a little bit, look what it says. It will strike the nose of the believers with the. Mais si tu vas plus loin, ils vont te montrer qu'il va frapper le nez de ceux qui ne croient pas. Il va frapper du bâton là. Ring. And it will make the face of the believer bright with the staff until when people they gather to me. Et jusqu'à ce que les gens vont se rassembler. Will say one to other, believer or disbelievers. And then it says here. Et il dit ici. He described the beast and then he continues saying the following. Et continue à dire. Read with me carefully. And then he says. Tu peux lire avec moi. No believer without it's making a white spot in his face, which will spread until his face is shining white. Il va frapper leur nez jusqu'à ce que ils vont changer de couleur. Ils seront noirs, ils seront blancs, selon tout ça. Attendez, on va vous projeter ça pour que nous soyons sur la même page que Christian Prince. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir.
que nous sommes en train de vous montrer de la sourate 27. La sourate 27, nous sommes dans la sourate 27, verset 82. Là, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Ça, c'est Ibn Kathir. Il faut que nous puissions bien projeter. Ça, tafsir de Ibn Kathir. On descend là en bas. Pour que nous soyons sur la même page. On va mettre ça en français pour le francophone. Là, il dit qu'il ne restera plus aucun croyant sans que cela ne fasse une tache blanche sur son visage, qui s'étendra jusqu'à ce que tout son visage devienne blanc comme résultat. Et il ne restera plus aucun mécréant sans que cela ne fasse une tache noire sur son visage. Cette tache noire-là, qui s'étendra jusqu'à ce que tout son visage soit noir à la suite. On continue avec Christian Prince. As a result, and there will be no disbeliever left without making a black spot in his face, until which will spread until all his face is black as a result. Do you see it? Jusqu'à ce que tout son visage sera noir à la suite. Est-ce que tu vois ça? Yeah. So Allah will make all bad people black. Donc, Allah va faire de tous les gens méchants, ils seront noirs. All good people white. Tous les gens de bien seront blancs. Pourquoi? What do you think? Qu'est-ce que tu penses? This is gonna be true, man. Ah, ça doit être... This is true. This is a book of Ibn Kathir. This is a Muslim website. Ah, ça Let doit me être... show you the link. Ah. Let me show you that. Ça doit être vrai ce que tu m'as dit, hein? Mais ça, c'est la vérité. Je te montre le livre de Ibn Kathir. Je vais même te montrer le lien. Reference. La référence. Show you the web page. Here we go. This is your Islamic page. Everybody can see it. Read with me here carefully. Come on. Ça, c'est la page internet. Hein? Tu peux voir. Tout le monde peut lire ça. X.com. And this is Ibn Kathir. Coran X. .com, et ça, c'est Ibn Kathir que je suis en train de te montrer. 2782. 2782. Et là, tu vas faire même un don aux musulmans pour construire une mosquée. Hein? And this is here, it says Ibn Kathir. Read it. Ibn Kathir. Et ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. You see it? Est-ce que tu vois ça? Yeah, and by the way, the English... C'est un site internet des musulmans. Et par ailleurs, la translation anglaise. Translation of Ibn Kathir is not the same as the Arabic in Arabic. La manière dont ils ont traduit en anglais et dans d'autres langues, ce n'est pas la même manière en arabe. Is it more truthful? En arabe, c'est il y a encore plus de vérité. For sure, the English one is 50% of the true Ibn Kathir is gone in English. They're trying to make it look nicer. Allô, what do you think about juste Allah une minute, hein? Pardon, hein? Making all the black Pardon, je suis from the en route, ones hein? And all the good ones, the white Donne ones. Donne-moi même 20 minutes, OK? Disgusting. OK, c'est bon. Disgusting. OK, what about Allah, he created the black people from the beginning to go to hell. You heard of this before? No. OK. Je m'excuse, on était en communication. Maintenant, ici, il parle qu'il y a un autre avis, c'est là où Allah, Muhammad dit que Allah a créé les hommes noirs pour partir en enfer. Isn't it Allah, he said, when he created Adam, that he created the white man? If somebody have the link for the... N'est-ce pas que Muhammad a dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé l'homme noir et tout ça. Si quelqu'un a cet avis, là, il peut nous envoyer ça. For the hadith, post it in the chat, please, so he can click on it and open it from his side. Vous pouvez nous envoyer ça, on va ouvrir ça. Allah, he created the children of Adam, the white. Allah a créé les enfants d'Adam, donc les noirs.
Les blancs, from the right shoulder of Adam. Les blancs à partir de l'épaule droite de Adam. He hit him in his shoulder, and they were born like white ants. Et ils sont nés comme des fourmis blanches. And he said, "You go to heaven, and I don't care." Et il a dit, vous partez au ciel, et je ne m'en fais pas. And he created the man, the black man, from the left shoulder of Adam, and he says, "You go to hell, and I don't care." Et il a créé les noirs à partir de l'épaule gauche de Adam, et il a dit, je m'en fous. Oh, someone put the link. Let me go to it. Yeah, open. Ah oui, il y a quelqu'un qui a posté ce lien dans ma boîte email. Je vais voir ça. Tu peux ouvrir ça. Et tu peux lire. Et je vais mettre ça aussi à l'écran. Tout le monde va lire. All right. Thank you, admin, for posting. Merci, administrateur, pour avoir posté ça. This is the link. Et ça, the website, and ça, this is at Tirmidhi. Et ça, c'est le lien de musulman à Tirmidhi qui a parlé de ça. Allah messenger said, le messager d'Allah a dit, when he had to create him, and he stuck him his right shoulder. Il a frappé l'épaule gauche, l'épaule droite, tout ceci, c'est là, on va voir ça en français. And they immediately from it went up spin, as if they were white ants. He struck his left shoulder, and then immediately from the black of spin, I was in love. And il y a des fourmis qui ont surgi de la pôle gauche et la pôle droite. C'était les enfants des fils des hommes. Attendez, on va vous projeter ça. En français, pour que nous soyons à la même page avec Christian Prince. Ok, on évolue. Then what he said? Yes. Attendez, ça c'est tellement intéressant. Il ne faut pas que nous puissions rater quelque chose ici. Alors, c'est pour cela que je vais vous projeter ça en français. C'est pour la génération, les enfants qui sont en train de naître. Ils doivent apprendre ces histoires pour connaître comment est-ce que Allah parle des hommes noirs. Là, c'est le Hadith Mishkat al-Masabi, numéro 119. Jamia Tirmidhi a aussi parlé de ça. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Il dit ceci. Abu Darda a rapporté que le messager de Dieu a dit, Dieu a créé Adam quand il a créé, il a frappé son épaule droite et a produit sa progéniture blanche comme des petites fourmis. Il se frappa à l'épaule gauche et enfanta sa progéniture noire, comme s'ils étaient du charbon de bois. Puis il dit au groupe de son côté droit, « Au paradis !» Et je m'en fiche. Il a dit au groupe sur son épaule gauche, « En enfer !» Et je m'en fiche. Ahmad a transmis qu'ils étaient comme du charbon de bois. C'est pour cela que le monsieur là s'est exclamé, « On va retourner là. » vous allez écouter l'audio. Commit word of spin, as if they were white ants. Comme s'ils étaient des fourmis blancs, des petites fourmis blanches. He struck his left shoulder and et il frappa son épaule gauche. There he met from the black of spin. Et puis il eut sa progéniture noire. Okay, and then what he said? They were charcoal. Sa progéniture noire, comme s'ils étaient du charbon. Charbon. And they were charcoal. Yes, sir. Charbon. They are charcoal. He's making fun of their look. They are charbon. Oui, se moque de l'apparence des noirs. Charcoal. And then he says. Comme s'ils étaient des fourmis. And he says. Comme du charbon. From the one from the right shoulder for paradise. Et pour ceux qui étaient à son épaule droite, il a dit au paradis et je m'en fiche. Or the white and I don't mind, I don't care. And the one from the left shoulder, which means the black, like charcoal.
Et les autres là, de son épaule gauche, des noirs qui étaient comme des charbons, il a dit, Go to hell and I don't mind. Do you see? partez à l'enfer et je m'en fiche. Donc tu veux dire que Allah nous a créés pour que nous puissions partir à l'enfer? He created you, according to Muhammad, all black people from the left shoulder. Do you know what left mean in religion? Donc il a créé tous les noirs à partir de l'épaule gauche. Tu sais ce que représente l'épaule gauche? Tu sais ce que ça veut dire, l'épaule gauche? Le côté gauche? Left mean always the wrong, the bad ones. Right mean the right one. So the white people. Gauche, ça veut dire tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne va pas bien. C'est ce qu'on appelle gauche. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Hein? Alléluia. According to the faith in Muhammad, created from the right shoulder because they are the right hand, they are the right people. Et selon cet homme impur, Mohammed, il dit que les autres ont été créés à partir de la parole droite, puisqu'ils sont bons, les blancs. They are the good people. And according to Muhammad, the black people, the African, created from the left shoulder of Adam because they are wrong. They are Et d'après Muhammad, il dit que les Noirs, les Africains, sont créés à partir de l'épaule gauche. bad, according to Muhammad. Puis qu'ils sont mauvais. Look how filthy he is. Hein? Tu vois comment est-ce qu'il est impur, ce monsieur? Ce gars? Listen, I have to agree with you, Christian Prince, je dois être d'accord avec toi. Hein? Ça, c'est trop. Hein? Ça, c'est trop. I never say something things like this, in my life, man. Okay, so Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil dans toute ma vie. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil toute ma vie. 37 fucking years, man. J'ai passé 37 ans de merde. Comment se fait-il que je viens seulement d'entendre ça à partir de toi? I have no comment, my friend. I understand. Je n'ai pas de commentaires, je comprends. We don't like to hear bad language, but I understand you are. Mais nous, on n'acceptons pas que tu puisses commencer à insulter des langages, utiliser des langages qui ne sont pas bons ici, comme merde. Saying the F word. Ah, je m'excuse vraiment. I'm just angry. Je suis juste très méchant, je suis en colère maintenant. I understand this one. Je suis tellement énervé. I did not. I did not. This way, Je suis en colère I maintenant. did not stop I'm you. sorry, Christian, but It's I don't okay. want Ah, je m'excuse, Christian Prince. Et c'est pour cela que je ne t'ai pas stoppé. Ah, je m'excuse d'avoir prononcé le mot méchant dans ta chaîne. to refute you. Mais je suis venu ici pour te réfuter, te débattre. Mais But now you are saying the F word to Allah. maintenant, tu commences à dire merde à Allah. And now you end saying the F word to Allah. Tu commences à dire de mauvais mots envers Allah. How that can how a human being can change 37 years of your life Hein, comment est-ce qu'un homme peut changer 37 ans dans ta vie? worshiping the false god who hate you for you are a black person. Tu es adoré un Dieu qui ne t'aime pas puisque tu es noir. And now, after speaking to me for some time, you are saying Maintenant, après avoir parlé avec moi quelques minutes, and the effort to Allah. tu commences à dire merde à Allah. That's a That's the first time I say something like this, man. Hein? Je ne pense pas que j'ai déjà dit quelque chose comme ça. But I understand, it's okay, I understand. Allah is the devil, I don't blame Ah, je comprends, hein? Puisque Allah c'est le diable, je ne te blâme pas. Allah is the devil. Allah c'est le diable. God, he did not create the black people to go to hell. Dieu n'a pas créé les hommes noirs pour qu'ils puissent partir en enfer. That's not true. Ça, c'est pas vrai. God don't take you to heaven or to hell because of your color. That's not Dieu ne t'amène pas au ciel ou bien en enfer à cause de la couleur de ta peau. true. C'est pas vrai? Jesus said the It thunder. doesn't matter. I was born black. I didn't ask to be black. Je suis né noir. Je n'avais pas demandé d'être né comme noir. It doesn't matter what your color, my friend. Who cares? Peu importe ta couleur. The Lord, he said. Exactly. The Lord, he said. Exactement. From their fruits, you shall know them. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. He never said from their color. Il n'a pas dit à partir de leur couleur, From their fruits. So, à partir de leurs fruits. if your fruit is good, you are good to the Lord. Si tes fruits sont bons,
Tu es bon envers Dieu. Black or Asian or white, who cares? Si tu, que tu sois asiatique ou que tu sois blanc, peu importe. If your fruit is ugly, he will recognize you by your fruit, not by. Si tes fruits sont mauvais, il va te reconnaître par tes fruits. By your color. Non, pas par toi, pas ta couleur. Le Seigneur a dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume de Dieu. Mais celui-là qui fait la volonté du Père. Ça importe que tu sois blanc, noir, tout ça. Ça, c'est une religion très sale. I hear you crying, Father, but the one who do his will. It doesn't matter if you're black or white or who care. Ça importe tout. Peu. So this is obviously a very filthy cult. I hear you crying, my friend. Je t'entends pleurer. Someone hurt. Je suis blessé. I know it's hurt. I know. I understand. Je sais, je comprends. Tu es blessé. I'm so hurt, man. Je suis tellement blessé. I don't blame you. Je ne te rapproche de rien. Let your tears wash your eyes, my friend. Que tes larmes puissent nettoyer ton cœur. Prayed for the wrong God for 37 years. Tu as prié à un faux Dieu pendant 37 ans. Worshiping the God who hate you to death. Tu adorais un Dieu qui te hait à mort. I'm sorry, Christian Prince. I didn't want to go there, you know? No. Je m'excuse, Christian Prince. Je ne voulais pas arriver jusqu'à ce point. Non, non, au contraire, tu as beaucoup de respect envers nous tous. Nous tous, nous te respectons. Real men is the one who cry when they see the truth, my friend. Don't worry. Les hommes vrais, c'est ceux qui croient, qui crient, qui pleurent après avoir vu la vérité. I'm 37 years old. I'm a grown-up man. J'ai 37 ans. Je suis un homme adulte. I'm married. I have two kids. Je suis marié. Je suis père de deux enfants. May the Lord bless your family, my friend. And now you see que le Seigneur bénisse ta famille. Et maintenant, tu vois the Lord, he blessed you. He blessed you. Que Dieu t'a béni with a beautiful family, so not avec une belle famille. Alors que tu puisses continuer. C'est pour cela que je t'invite maintenant d'accepter le Seigneur, le Messie. Tu ne comprends pas, Christian Prince. Force ma femme. J'ai forcé ma femme. Elle est blanche. C'est une femme blanche. Je l'ai forcée à devenir musulman. Well, you can fix that. No problem. You can. Tu peux fixer ça. You love me. She. Yeah, you can fix that. Elle m'aime beaucoup. Agree, you know. You can fix that. You can. Tu peux fixer ça. You can tell her the truth. Tu peux lui dire la vérité. You can tell her that this is a garbage religion. We will not be there no more. That's it. Tu vas lui dire que ça c'est une religion de la poubelle. Nous ne serons plus là dedans. She loves you. She will understand. Elle, comme elle t'aime, elle va comprendre. And you can show her the reference and the reason. Et tu peux lui montrer les références et les raisons. You force her, that means it's easy for her to leave because you force. Si tu l'avais forcé pour devenir musulman, donc c'était facile de la faire quitter de l'islam. My family didn't want to marry her. She had to change her religion. Ma famille ne voulait pas que je puisse me l'épouser. Et elle a dû même changer de religion pour que je puisse l'épouser. Et c'est pour cela que je suis blessé maintenant. I understand. Je comprends. But never leave, my friend. Never leave. Ce n'est pas trop tard. The Lord is still, he loves you. Le Seigneur t'aime toujours. And the Lord, le Seigneur, today, as we speak, comme nous parlons, he made me stay longer so I can receive your call. Il m'a gardé à l'émission pendant très longtemps pour que je puisse recevoir ton appel. And make things work in the best direction for your life. Et pour faire les choses dans la bonne direction dans ta vie. The Lord is using me and using you. Le Seigneur m'utilise et il t'utilise.
so we can be together a light for the family, which is your family. Pour que nous soyons la lumière pour ta famille. All right. And I invite you, as we speak now, to accept the Lord, the Messiah, as your. Et je t'invite d'accepter le Seigneur, le Messie, comme. The Lord as your Savior. Comme ton Sauveur et ton Seigneur. There's no name better than him. Il n'y a pas de nom meilleur que le nom du Seigneur. Go and read what he said. Go and tu peux aller lire ce qu'il a dit. See his teaching. Tu peux aller lire ses enseignements. Go and see the wonderful things he did. Ce qu'il he a fait. Des merveilleux. Il est le Seigneur merveilleux. Même le Coran, le livre impur. The Messiah is right now as we speak, is listening to us. Le Seigneur est là en train de nous écouter. C'est écrit même dans le Coran. He is up in heaven. Il est là, là au ciel. Every man die. Every tout le monde meurt. Every man in the grave. Tout le monde est dans la tombe. Became a dust. Tout le monde devient la poussière. Jesus, he is et sauf Jésus. Il est au ciel. Glory to his name. Que son nom soit loué. So I invite you, my friend Muhammad, je t'invite, mon ami Muhammad, d'accepter. Accept the Lord as your Lord, as your Savior. D'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. And so you can be saved and your family can be saved. Afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. All right, peace and peace, my Lord. Do you accept the Lord as your Savior? Do you accept... Oui, est-ce que tu acceptes le Seigneur comme ton Sauveur? Accept the Messiah. Tu acceptes le Messie? Oui, il ne fait pas de discrimination contre moi. Oui. Amen to that. Amen. Amen à ça. Alleluia. A happiness in the Alleluia. Heaven of God. Il y a de la joie dans le ciel. For Muhammad, if he doesn't discriminate me, he don't discriminate you. Puisque le Messie ne fait pas la discrimination contre moi, alors. He will discriminate you. How he will discriminate you? Il ne peut pas te faire de la discrimination. Comment va-t-il le faire? The person who discriminates you, he will not call you a child of God. Celui qui fait de la discrimination contre toi, il ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Today, now, you are not a slave of anyone. Aujourd'hui, tu n'es pas esclave de quelqu'un. It doesn't matter if you are black or free. You are a child of God. You see, you know. Que tu sois n'importe quel, tu es. Tu es enfant de Dieu, de n'importe quelle condition. Tu as entendu comment est-ce que Jésus a dit de prier au Père? Father, il a dit, our Father, we are slaves. Notre Père, nous ne sommes pas ses esclaves. Our God don't need slaves. He's God. He's notre God. Dieu n'a pas besoin d'esclaves, il est Dieu. Glorious. Il est glorieux. All sick ones need slaves. Seulement les gens malades ont besoin des esclaves. So, our God, he said to us, when you pray to me, don't call me master. Il a dit, lorsque vous m'appelez et vous voulez prier, ne m'appelez pas maître. Don't call me Lord, call me our Father. Ne m'appelez pas Seigneur, mais appelez-moi notre Père. Art in heaven. Qui est aux cieux. Because we are his children. Puisque nous sommes ses enfants. So, today, aujourd'hui, tu as accepté le Messie, tu es son enfant. Pas de discrimination. Tu es un enfant. King of kings. Le roi des rois. Why? Mon nom, c'est Christian Prince. Pourquoi? Is that because I own slaves? No. Est-ce puisque j'ai des esclaves? Non. Is that because I'm rich? I'm a poor man. Est-ce puisque je suis riche? Non, je ne suis pas. Je suis pauvre. I am prince, for my father is the je suis prince puisque mon père, King of kings. Il est le roi des rois. He made me a prince. Il a fait de moi un prince. And he made you a prince. Et il a fait de toi un prince. And your wife, she is a princess. Et ta femme est une princesse. The children, they are the children of God. Et tes enfants sont les enfants de Dieu. As we speak now, comme, there's a happiness in heaven for comme nous parlons maintenant, il y a de la joie dans le ciel. Accepte le Messiah. Oui, Christian Prince, j'ai accepté le Messie. Right. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Il est mon Seigneur, mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je rejette l'islam. Comment est-ce que je vais aller convaincre ma femme maintenant? He made me a prince, and he made you a prince, and your wife, she is a princess. Oui, and ta femme est princesse. Are children of God, oui. As we speak now, and there's a happiness in heaven. J'ai répété. Il y a la joie au ciel. Accept the Messiah.
as my savior from today. I mean to that. I'm sorry. I'm rejecting Islam, man. Praise the Lord. Non, je rejette l'islam, j'accepte le Messie. Comment est-ce que je vais convaincre ma femme maintenant? Que Dieu soit loué. Did you ever call me before, Muhammad? Est-ce que tu m'avais appelé auparavant? Non. I read your book, I was angry. Lorsque je lisais ton livre, j'étais très énervé. How you heard about me? Comment est-ce que tu as entendu parler de moi? Il y a l'un de mes amis qui était sheikh d'une mosquée. I think he's not Muslim anymore. Je pense qu'il n'est plus musulman maintenant. Tell me the book, you know? Il m'a donné ton livre. Okay, so he said, Muhammad, you have to read this. Il m'a donné ce livre-là, dit Mohamed, tu dois lire ce livre. He read the book too. He was a sheikh, you say? Il a lu le livre. Tu as dit qu'il était sheikh? Yeah, he was a sheikh. He was a sheikh, he read my book and he left Islam. Oui, il était sheikh. Il a lu mon livre et il a quitté l'islam. France, what do you want Switzerland. Il est en France et puis en Suisse. Well, it's my good friend, you know, so he sent me C'est un bon ami à moi. Il m'a envoyé ton livre, il m'a donné ton livre. Et j'avais ce livre pendant 2 mois, je ne voulais pas lire ça. Dès que j'ai commencé à lire ça, le livre là m'énervait beaucoup. Puisque j'ai lu des chapitres là où tu parles de Muhammad, tu l'appelles Khatam. You're talking about the name Muhammad. These things I never heard in my life. Tu parles des noms de Muhammad. Je dis, ce sont des choses que je n'ai jamais entendues toute ma vie. Comment est-ce que je n'ai jamais entendu ça? Je suis adulte, j'ai 37 ans. Comment se fait-il merde? Oh, je m'excuse de ce mauvais langage. Je suis en colère maintenant. Comment est-ce que je n'ai jamais entendu ça? It's okay, my friend. There's many people. They are born in Arabia. They speak. Oui, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont nés en Arabie Saoudite. Ils parlent arabe. Arabic, they never heard those things too. So, mais ils n'ont jamais entendu même parler de ça, même malgré qu'ils parlent arabe. It's not only you. C'est pas, ce n'est pas seulement toi. The whole world is living in ignorance, you know, people. Beaucoup de gens, mais le monde entier vit dans l'ignorance. But they think they have knowledge, but the fact they don't. Il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne comprennent même pas. And that's why I'm here. Et c'est pour cela que je suis là. He's a Moroccan. He's a Moroccan. Et cet ami-là qui m'a donné le livre, c'est un Marocain. The one who left Islam is a Moroccan, the sheikh. Le sheikh là qui a quitté l'islam, c'est un Marocain. Yes, he's a Moroccan. Okay. Oui, c'est un Marocain. It's one of my good friends. We grew up together. Actually, we're playing since we're in a child school together. On a grandi ensemble. Au fait, on a étudié dans l'école primaire ensemble. Okay. And then because of him, you know, I become a very, very devout Muslim. So he was he sent me this book. Alors lorsqu'il m'a vu que j'étais un musulman vraiment dévoué, il m'a envoyé ce livre ici. He was a sheikh in the mosque. Tu dis qu'il était sheikh dans une mosquée? The imam in the mosque, the one who left Islam. Il était imam d'une mosquée, celui qui a quitté l'islam? Yeah, he was an imam in the mosque. He left, he studied Islam. Oui, là, il était imam d'une mosquée, il a quitté après avoir étudié l'islam. But all in France, you know, all in France. Mais tout ça, il a fait sa vie en France. He never left France, actually, you know. Il n'avait pas quitté encore la France. Actually, when you read your book, he told me 2 years ago. Il m'a dit de lire ton livre. Ça fait presque 2 ans. Something changed my life. Il a dit quelque chose a changé sa vie. Because you and me grow up together, I want you to open your eyes and read. Et il m'a dit que quelque chose a changé ma vie. J'ai lu un livre. Et je vais t'ouvrir aussi les yeux, alors je vais t'offrir ce livre. C'est ce qu'il m'avait dit. Il t'a envoyé ce livre. Il m'a dit tout simplement, lis simplement le livre. J'ai lu, mais je n'ai pas terminé le livre. Je suis très énervé, déjà. Dès que j'ai commencé à lire, le livre là m'a beaucoup énervé. I understand. Je comprends. Our heart and our prayer with you and your family. Nous prions pour toi et ta famille.
And today I ask all the brothers and sisters here to pray for Je demande à family. Tout le monde and by the way, de I prier, want to change your name. De tout le monde de prier pour toi. Je ne veux même pas que tu puisses changer ton nom. I want you to be Christ follower and your name is Muhammad. Je veux que tu sois un disciple, celui qui suit Christ, et ton nom c'est Muhammad. Don't change your name. Ne change pas ton nom. Ma'rouf. 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 Your name is Ma'rouf. Ton nom c'est Ma'rouf. Muhammad Ma'rouf. Muhammad Ma'rouf. Oh, Muhammad Ma'rouf. Okay. Well, I mean, I don't change your name. I mean, Muhammad Ma'rouf. Ne change pas ton nom. I want to be more proud of you that your name as a Muslim still you believe in the Lord the Messiah. Je serais très fier de toi. Ton nom, c'est encore un nom musulman, mais tu crois au Messie. OK. Christian Prince, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui, hein? Probablement, ma famille va même me rejeter. Ma famille va me rejeter. No, nobody will reject you, my friend. Personne ne va te rejeter, mon frère. Because you are accepted by, you are accepted. Who cares? Ils vont me rejeter. Oh, no, no, let me explain to you. Mec, peu importe. Attends, je vais t'expliquer. You see, if I tell you how much problems I face because of what I do, you will not believe it. Si je te disais beaucoup de choses, que je suis en train de rencontrer dans ma vie à cause du travail que je fais, tu ne vas pas me croire. Me myself, I'm not a Muslim, right? Moi, je ne suis même pas musulman. À cause de ce que je fais, beaucoup de gens se sont éloignés de moi. Ils ont même peur de me dire bonjour puisqu'ils ont, ils ne veulent pas s'approcher de moi. Ils disent que ce monsieur est recherché par les terroristes. Everybody wanna kill him. Tout le monde veut tuer Christian Prince. Peut-être lorsqu'on va lui dire bonjour en train de serrer la main, quelqu'un viendra et va nous fusiller et va nous tuer ensemble avec lui. So people, they stay away from me because everybody is terrified. Alors tout le monde s'éloigne de moi, tout le monde est terrifié. That is horrible for me as a human being. Et ça, c'est horrible pour moi en tant qu'être humain. You know, you wanna have a friend, you wanna go out, see some people. No, but... Donc tu veux même sortir, tu veux voir des amis, tout ça, mais tu ne sais pas faire ça. They wanna be with me. Mais ils ne veulent pas être ensemble avec moi. For they are terrified. Puisqu'ils sont terrifiés. But I am not terrified. They are. Mais je ne suis pas terrifié, mais ils sont terrifiés. They are cowards. Ils sont des lâches. I am not. Je ne suis pas lâche. I am with the Lord. Je suis avec le Seigneur. And the Lord, he is my family. Et le Seigneur, c'est lui ma famille. He will give me all the family I need. I have. Il va me donner toute la famille que je cherche. Millions of people who loves what I do. Il y a beaucoup de millions de gens qui aiment ce que je fais. I have a bigger family. That any family. J'ai une grande famille plus que n'importe qui. Can imagine. So don't worry. Donc, alors, the Lord always ne t'inquiète pas de ta famille. Le Seigneur toujours. Provide to you the love you want. Il va toujours t'accorder l'amour que tu cherches. He is with you. Il est avec toi. Within your heart. Il sera avec toi. Wherever you go. Partout où tu vas. With your wife. Avec ta with femme. Your children, tes enfants. And he will sponsor you. Il va te sponsoriser. More than this. The Lord. Quoi de plus tu as besoin? Le Seigneur, is what going to save us. Celui qui va nous My sauver. Father, he died. Your father, mon père est mort. Ton père, father, he died. My mother, il est mort. Ma mère, mother. Ma mère. Everybody will die. Tout le monde va mourir. But one day, mais un jour, only one savior. His name is the Messiah. Nous n'avons qu'un seul Messie, qu'un seul Sauveur. Son nom, c'est le Messie. Seek your salvation. Cherchez Not votre a person salut. Who will say to you, you are my son. My son is what the Bible says. Moi, la Bible dit, the children of God are les enfants de Dieu who they are going to be saved. Sont ceux qui so seront seek sauvés. Your salvation and don't worry about the Cherche Lord ton salut. Le Seigneur va pourvoir. You are not alone. Tu n'es pas and seul. You will never be alone. Tu ne seras pas the seul. Me, I just told you Comme j'ai dit, how many people, I remember once, je me souviens un moment, un jour, was visiting a Christian family, j'ai visité une famille, and then they saw, une famille de chrétiens. So, a video, I mean, a TV. It was a TV. ABN. Ils ont entendu, donc il y avait la télévision. TV, and I called the TV. Actually, the debate. It was a debate. Playing my. C'était un débat. J'ai appelé la télévision. And then they said, "Is that your voice?" Elles m'ont dit, mais ça, c'est ta voix? I said, "Yeah."
J'ai dit oui. And the second they heard this, they changed. Et dès qu'ils ont entendu que c'était moi, ils ont changé d'attitude envers moi. Ils ne m'ont plus invité, ils ne m'ont plus appelé. They are scared, they are terrified. Puisqu'ils ont peur, ils sont terrifiés. They said to themselves, this guy, God knows how many ISIS terrorists are following him. Puisqu'ils ne savent pas combien de musulmans terroristes de l'État islamique qui sont en train de me rechercher. They are worried about their family. Alors, eux, ils sont concernés à propos de leur famille. Et pour moi, ça me dérange. Instead of being proud of me, of what I do, au lieu d'être, au lieu d'être fier de ce que je fais, mais ils ne veulent pas que je sois dans leur maison. Et même si dans leur cœur, ils savent que j'ai fait quelque chose de bon, but they are people who they are afraid. Mais ils ont peur. Children, they have wife, they have family. They don't want to be in trouble because of ils ne veulent pas être dans les troubles somebody like me. À cause de moi. But I am alone. I will never be alone. Suis-je seul? Je ne serai jamais seul. Never. Jamais. And I don't care who want to speak to me, who don't want to speak to me. Et ça m'importe peu qui veut parler avec moi ou pas. Comme je disais, Christian Prince, tu as changé ma vie. Je n'ai pas changé ma vie. Demain, c'est la parole. Demain, je vais dire à mes frères. Je dois dire à mes frères et mes soeurs demain. Je ne sais pas. Ils vont me rejeter. Hein? Je veux d'abord que tu puisses parler à ta femme d'abord. Tu vas lui dire pourquoi tu as quitté l'islam. Alors, puis, elle doit aussi quitter l'islam. Et puis, and tell the rest, et puis, tu vas dire au reste des gens. And do what you need to do. Start with your family first, my friend. Commence d'abord avec ta famille. Family is the most important. La famille est très importante. The rest, they are not your wife, they are not your children. Les autres ne sont pas ta femme et tes enfants. Care for those first, and then if they don't want to listen, the rest. Inquiète-toi d'abord de ta famille et le reste là. This is their business. Everybody chooses. C'est leur affaire. Chacun choisit ce qu'il veut. His choice of life and oui. Choice of even of salvation. Même le salut. It's up to them. S'ils veulent le salut, c'est à eux de choisir. Right? Oui. Yeah. Oui. Right. I'll talk to my wife today. You know. Je vais parler à ma femme aujourd'hui. How to convince her again. Comment est-ce que je dois la convaincre encore? You know, to remove her again from this cult, man. L'enlever encore de ces cultes, de ces sectes, de religion. Christian Prince, man, I swear, man. Christian Prince, en tout cas, je jure. My family, they all didn't want me to marry her. And I have to force her. Ma famille ne voulait pas que je puisse me marier à cette femme ici. Et j'avais dû la forcer de changer de religion. Et je l'avais forcé de changer la religion pour que je puisse la marier. Et elle m'aime beaucoup. Nous sommes tombés amoureux depuis l'école. On était enfants. Je l'ai connue lorsque j'ai... On a fait connaissance lorsque j'avais 8 ans ou 9 ans, depuis l'école primaire. You know? Tu vois? Well, I'm happy for you. It's good, je suis content de toi. Christian Prince, listen, I don't know, I will check your channel again. Oui, Christian Prince, je vais encore chercher, je vais venir à ta chaîne de YouTube. One of the time, I'm going to call you, I'm going to tell you, you know. Je vais t'appeler et je vais te dire la suite. Mais je dois parler à ma femme aujourd'hui. All right. And thank you, man. Thank you. Ok, merci. Merci beaucoup. Pas de problème. You're welcome, my friend. God bless you. You showed me something that I've never seen in my life. Que Dieu te bénisse. Tu m'as montré quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Life, man. I'm 37 years old. I've been... J'ai 37 ans. A stupid man for 37 years old. J'étais stupide pendant 37 ans. For 37 years, man. Pendant 37 ans. Remember, 15 minutes ago, you said the Christian Prince got busted. Mais souviens-toi, il y a 15 minutes, tu disais que tu vas me casser. Tu m'as attrapé dans les mensonges. You remember? Yeah. Tu te souviens?
That is something funny. But it's good C'est bon. to remember, you know, it's I was good. sure because what you are saying, C'est bon de se rappeler. I never heard it in my life. Oui, puisque ce que tu dis, je n'avais jamais entendu ça dans toute ma vie. And I'm not a small boy. I'm not like a small boy who's Et je ne suis pas un petit enfant, comme un petit garçon. okay, no, I'm a family man, you know. Je suis un homme de famille, un père de famille. Yeah, it's Family a man, I have a great job, I have a nice woman, I have kids. J'ai un bon boulot, j'ai une famille, j'ai des enfants. So, yeah, you should understand me too, Christian. Tu dois comprendre. Je vais t'appeler, je vais te dire la suite. Well, I'm so happy to have you, my friend, and you feel free to call me. And if you need any help, Je suis content de toi. Tu peux m'appeler n'importe quand tu veux. with your wife, she can, you know, you can call with her, Même ta femme, vous pouvez m'appeler ensemble si tu veux. and I will be happy to help her too. Et je serai content de l'aider aussi. That would be great, man. Ça sera mieux. If I cannot convince her, honestly, I really want you to talk to her, you know. J'aimerais que tu puisses lui parler. Yeah, no problem. Because she's too in this more than me now, you know. Elle est maintenant dévouée à. Elle est engagée dans l'islam plus que moi, même. Don't worry. God is good. Christian, Dieu est bon. thank you. Thank you very much, man. Merci, Christian Prince. Merci. You're welcome. I call you to pass you. Je t'avais appelé pour te réfuter. At the end, you show me something I've never seen, man. Mais à la fin, c'est toi qui m'as montré quelque chose que je n'ai jamais vu. As a black person, Comme un homme noir. I keep everything. Man, I don't know what to say, man. Je ne sais pas que dire. You don't I have to was say so anything. angry today, man. Yeah, it's okay. Je suis très fâché aujourd'hui. You know, you said it all. And the important is the result is not what happened. Le résultat, c'est ce qui importe plus, pas ce qui s'est passé avant. The result is very important, you know. Le résultat est très important. We are successful to save you and to save your family. God C'est bon, sauver ta famille, tout ça. is willing. And now you saw the truth, and the truth will set you free. You are free. Ah oui, la vérité t'affranchira et maintenant tu as franchi, tu es libre. Today you are free. Tu es libre aujourd'hui. You are free. Tu es affranchi. No more slavery. Tu n'es plus You are esclave. not following the slave owner, Muhammad. Tu ne suis plus le marchand d'esclaves, Muhammad. All right. Oui? Anything Of else you course want to not, add, man. my friend? Of course Anything? not, man. Tu veux ajouter quelque chose? Yeah. Anything else you want to add? Tu veux dire quelque chose? No, nothing else, man. Non, non, quelque part d'autre. It's enough. I had my dose today. Enough, c'est enough. J'ai eu ma dose aujourd'hui. I think I want to sleep good today, you know. Je pense que je vais bien dormir aujourd'hui. Well, I will pray for you, and I ask for the Christian Je ne sais pas, mais on va prier pour toi. and family here to pray for you and your family. Et tout le monde va prier pour toi et ta famille. And God is good, and He will be with you. Et Dieu est bon, il sera avec toi. Yeah, and I said, yeah, me, Muhammad Maruf, I accept Jesus Christ as my Savior today. I mean to that. Et moi, Mohamed Maarouf, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur aujourd'hui. Amen to that. Amen, amen. God bless you, my friend. Que Dieu te bénisse. Feel free to call me anytime. Goodbye, Christian Take Prince. care. Tu peux m'appeler n'importe quand. Ok, merci. Yeah, goodbye, Christian Prince. Bye-bye. Au revoir, roi Christian Prince. Thank you. You're welcome. Merci beaucoup. All Ok, merci. Ça, c'était le meilleur des débats que j'ai jamais entendu, Christian Prince, en train de tourner. Tout celui qui veut débattre avec nous, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là. Nous, nous faisons des débats, nous enseignons sur la parole de Dieu. Ça, c'est notre numéro, c'est notre chaîne. Les gens qui veulent débattre avec nous, ils peuvent nous contacter 24 heures sur 24 heures sur WhatsApp ou bien sur email adresse par n'importe quelle voie pour organiser des débats. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.